Alors attends. Eh ben écoute, j'ai envie de dire, en plus c'est très rare qu'on démarre à l'heure, et là il est 19h02, donc on est. Mec, on est arrivé pile poil. Pas pour le truc qu'on devait faire avant, mais je suis arrivé pile poil. Non, mais t'inquiète pas. Eh ben du coup, hop, j'allume le truc, et normalement. Voilà. Alors, la cam est mal fichue. C'était prévisible, mais c'est pas grave. Hop. C'est bon. Bonjour. Attends, hop là, elle est où la cam? Elle est là. Salut! Ça va être très très bizarre. Je sais pas où regarder. Le truc du projet. Ouais, mais c'est l'horreur. Les gens nous voient bien et on attend, on a les retours comme la dernière fois? Alors normalement, ouais, on a les retours qui vont normalement pouvoir s'afficher. Et l'écran pour jouer, c'est où? L'écran, en fait, je vais mettre le projo, je vais allumer le projo et en fait, on verra l'écran et le chat à côté. Ah oh, putain, c'est génial. Ah putain, c'est bien foutu quand le même. Le mec est totalement carré. Il est carré. T'as fait un tweet ou pas? Je tweet. Immédiatement, j'avais préparé le truc. Ah ouais! Et boum, c'est parti. C'est parti, alors moi je retweet avec mon navigateur, car je n'ai plus Twitter. Donc je vais utiliser Safari, ainsi que le navigateur pour retweeter ça. Attends, je vais reculer la cam comme ça. Ça me mentionne même plus, putain. Putain. J'ai mis mon compte en privé. Plus la peine, c'est bon, non, allez, c'est bon. Il nous aime pas, on a bien compris. J'ai mis mon compte en privé en plus. Ah, oh, c'est un peu chiant avec le navigateur, c'est bien. Ça rend l'expérience difficile. Ah putain, j'avais préparé une vidéo YouTube aussi, faut que je la mette en ligne. Alors attends, 2 minutes. Comment ils vont les gens là déjà? Eh ben ouais, c'est une ceux bonne qui question sont là. Les gars, comment vous allez? Alors, hop, je mets le truc. Hop, modifier. Public, et hop. Et voilà, maintenant les gens savent de par le monde que nous sommes en ligne. Privilégié. Bonsoir à tout le monde. Donc il y a les gens, ils débarquent. On va mettre le chat en noir aussi parce que. Hop, la dernière fois, il est là, je le vois en blanc. On va pas bien lire, ça va être chiant. Hop. Alors. Et voilà. Comment ils vont alors? Attention, on n'a pas lu de réponse aucune. Alors, bonsoir, bonjour. Si on a salut, salut à vous deux. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Salut, trois spectateurs. Les, pour gens, les gens débarquent. On a le temps, je sais. Ça prend du temps. Venez, on va passer un excellent moment. Exactement. Surtout qu'en ce moment, je crois qu'il y a l'E3 en même temps et tout. Donc c'est un peu. C'est mieux nous, on va vous dévoiler des trucs. Non, mais franchement, c'est ça. Des dingueries sur le jeu. Les gens, ils sont toujours en mode, ouais, les jeux Xbox, etc. En vrai, on s'en fout un peu. Nous, on a mieux que ça. On a ça. On a des putains de jeux N64. On a des jeux 64, putain. Alors du coup, la N64, toi, c'est une console que tu connais un petit peu. Ouais, hein. J'adore. C'est l'une de mes consoles préférées avec la Dreamcast. C'est très simple. C'est la Dreamcast et la N64, c'est mes deux consoles préférées. Donc, voilà. On est sur du très très bon, notamment grâce à Mario 64, bien entendu, Diddy Kong Racing, Zelda, tous ces jeux incroyables. Est-ce que t'as des jeux un petit peu, personne n'aimait y jouer à part toi, ou des jeux que personne connaissait, les gens ils étaient en mode mais pourquoi tu veux jouer à ça? Sur 64, je m'en rappelle pas trop. Moi, il y avait un jeu de combat que j'adorais. C'était quoi? C'est Clay Fighter. Avec des personnages en pâte à modeler, et à chaque fois que je le proposais, les gens ils étaient en mode mais putain, Clay Fighter c'est chiant, ça n'amuse personne, etc. Moi peut-être ça va me revenir en regardant les jeux. Là j'ai fait une petite sélection de jeux. D'habitude, pour expliquer aux gens, d'habitude on fait décider aux gens à quel type de jeu on va jouer, mais là comme ça a été un petit peu improvisé, etc., décidé au dernier moment. On va y aller en mode, on joue au jeu qu'on a envie de jouer. J'adore faire des lives improvisés avec Hugo. C'est mon truc préféré, vraiment. On peut parler de tout, c'est génial. Putain, oui. Oh là là. ISS 64. Alors franchement, ISS 64, je fais assez régulièrement du ISS, dans les soirées N64. Franchement, c'est tellement mieux que FIFA. Ah, ça j'adore. Ça j'adore. Ah, franchement, Rescue the Ready to Rumble. Je vais le mettre de côté parce que je pense que celui-là il va te plaire. Ah, j'adore Rescue the Ready. Ah, mais t'as grave des jeux, mec. Bah ouais, et encore là j'en ai mis. Tu rock, bien entendu. Golden, et bien sûr, évidemment, pour tout connaisseur, GoldenEye. Évidemment. Mais s'il y a des jeux auxquels tu penses et qui sont pas mis de côté. South Park, j'ai oublié. Ça là, tu vois, donc. Wouah. Merde. Merde. Et les trois autres là. Mais non. Mais non, mais je vous jure que j'ai failli me dire, bon, je vais prendre quelques jeux, ça se trouve, ça sera en galère. J'ai des jeux chez moi, mais non, mais regardez ça. Mais regardez ça! C'est incroyable! Mais c'est incroyable!
Oh merde! Attends, y'a des gens qui me connaissent pas, alors je suis John Rachid, enchanté. Je possède une chaîne YouTube avec des millions d'abonnés et des vidéos très sympas qu'il faudrait aller voir pour ceux qui me connaissent pas. Voilà. Vous l'avez sans doute entendu dans Ratchet & Clank. Exact, et Dragon Ball et Super. Dans Dragon Ball Super. Mais regardez ça! Oh là là! Oh, c'est incroyable. Si y a un jeu auquel tu penses qui est pas dans les autres, il est sans doute. Mec, tu me fais halluciner. T'as gardé ça depuis petit ? Non. T'as racheté ? J'ai racheté au fil des années. Enfin, je me suis rendu compte que la N64 c'était vraiment ma console de cœur. Oh. Et je me suis dit, allez, on s'en bat les couilles. Oui, il y a des gens qui me connaissent pas et c'est très bien parce que moi je cherche à toucher du public qui me connaît pas. Tu cherches à te faire un nouveau public. Voilà. Écoute, là on touche tout le monde, c'est parfait. Ouais, si vous me connaissez pas, allez voir mon travail. Vous allez voir, c'est génial. Eh ben ouais, non, je confirme. Notamment son dernier court-métrage, Le Fantôme. Merci. Magnifique. Merci. Et franchement, je le dis pas parce que merci, t'es là, merci. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé Le Fantôme. Bah, je kiffe aussi, vraiment. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup ce putain de comédien dont j'arrive jamais à Youssef HD. Youssef HD. Il est incroyable. Mais en fait, moi, je l'ai découvert dans la série d'Éric Judor. Oui, il est génial. Bonsoir, qu'est-ce que je puis-je voilà, pour vous. Voilà, c'est ça, il est formidable. Il est magnifique, il me l'a fait sur le tournage plein de fois. Ce perso est incroyable. Mais voilà, mais du coup, super, la photo, super. Et je veux dire, je suis désolé, Embaucher Jean-Baptiste Mauny en 2019, c'est punk. Mec, tu me connais, j'aime bien faire des surprises de l'époque. Mais moi, j'ai vu le truc, j'ai vu... Ouais, je suis coupé en deux, ouais. Hop, on va... Mais de toute manière, je vais reculer la cam parce que moi, ça m'emmerde. Mais ouais, ça m'emmerde un peu. Je regardais le truc, j'étais en mode... Mais putain, mais sa tête me dit quelque chose. Je regarde le générique, je suis en mode, attends, mais non. Mais je le connais, c'est le petit choriste qui a grandi. C'est Jean-Baptiste Meunier, mais si, c'est Jean-Baptiste Meunier. Il a grandi. Ah, il a bien grandi, ouais. Non, mais moi, j'hallucine vraiment. On est sûr d'être... J'hallucine vraiment sur ta collection de jeux, quoi. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens. On le montrera tout à l'heure pendant le live, mais les gens peuvent donner des sous s'ils veulent. Merci, pour Frédéo. Acheter les derniers jeux qui nous manquent, parce qu'il nous en manque pas des masses. D'accord. Pour avoir le full set De la 64. Ouais. Mec, t'as presque tous les jeux 64. Il m'en manque une trentaine et c'est les plus chiants, les plus chers, ou alors des jeux à la con, tu vois, genre Madden 64, des putain, jeux de football américain, merde, voilà, dont tout le monde se les jeux de hockey, les machins. Voilà, mec, c'est ça. C'est incroyable, je te jure que j'ai failli venir avec des jeux. Je me suis dit peut-être il a pas ce jeu là. Si, non, si, mais après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. J'ai un pote, il y a pas très longtemps, j'ai fait la liste des jeux qui me manquaient. Ouais. Il me dit, mais je l'ai celui-là. Oh putain. Et j'étais en mode, ah, putain. Hugo, il est là. Victor, il y a Banda qui est là. Victor. Coucou Victor. Bisous mon gars. Coucou à nos modérateurs aussi. Hein. Il y a le Toast qui est là. Il y a Asmar qui est là. Je pense que Pilou Crapou va aussi passer dire bonjour. Donc merci les modérateurs, parce que merci. Très souvent quand je fais des lives, il n'y a pas de modérateur, je suis dans la merde. Là t'as du monde là. Voilà. Non mais le rêve, ce serait de faire la même chose avec Victor ici. Ah bah oui, non mais de ouf. On mais va faire un live un jour. Franchement, un de ces quatre, je refais, parce que j'en avais fait à une époque, mais c'était le bordel, je refais un live N64 à 4. Ouais, vraiment, 4 manettes, 4 manettes. Du GoldenEye, du Mario Kart, du Smash Bros. Là, Hugo, il est chaud. Merci Thomas de suivre la chaîne. C'est comme ça qu'il faut faire en live. Ouais, c'est ça. Après, le problème, c'est que là, à mon avis, ce soir, comme t'es là, va y avoir beaucoup de gens qui vont suivre la chaîne. Bon, on espère. Ouais. En tout cas, on croise. Sophia, moi, je fais un bisou à Sophia, qui est une très grande fan, ouais. Et qui me suit partout. Vraiment génial, j'ai la chance d'avoir des grandes fans. Merci Sophia, je te fais des gros bisous et je te jure que je t'offrirai ma BD dédicacée. Je l'avais dit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ta BD qui sort bientôt. Oui, ça arrive. Sur ton enfant sans foyer, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors ça arrive bientôt, ça arrive en octobre, donc on a encore un peu le temps. Octobre, c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt et on a fini bientôt là. On a vraiment fini. Ça va partir en imprimerie très très vite. Et c'est le dessinateur, c'est quelqu'un. Lenny Kim, il s'appelle. Lenny Kim. Il est trop fort. Il a fait une BD qui s'appelle Blédard sur scène. C'est un gros truc comme ça et il a vraiment des idées incroyables. C'est un Riyad Satouf, le mec. C'est un génie. Ah ouais. J'espère que les gens vont le découvrir après ça. Eh ben écoute, on l'espère tous. Voilà. Est-ce que tu veux commencer à jouer un petit jeu? Ouais, on peut jouer et parler de toute façon. Rien n'empêche. Il y a des jeux qui s'y prêtent pas trop, mais il y a des jeux qui s'y prêtent bien. Mais parfait, moi je vais commencer à expliquer en plus pourquoi j'ai quitté Twitter. Ah, voilà, on veut des bails. Et pour l'instant, on peut jouer. On peut jouer. S'il y a des bails, moi ça m'intéresse. On peut jouer et parler. Hop. C'est très chiant parce que j'ai une cam qui est pas du tout faite pour. Ça va être un très bon live, très très bon, faut rester. En vrai, quoi qu'il arrive, on va s'enjailler. Faut rester. On va s'enjailler quoi qu'il arrive. On va dire du mal de toi. Ah, il y a un nouveau God of War qui sort. Il y a un nouveau God of War, ça y est, ça commence les annonces. Tu vois, j'ai quitté Twitter et ça me fait chier parce que je rate des trucs comme ça. Je rate plein d'infos cool. C'est quoi l'alternative? Dites-moi. Quand on n'a pas Twitter, c'est quoi l'alternative pour avoir des infos jeux vidéo et tout, à part Facebook?
Il y en a qui vont te dire que c'est Mastodon, c'est le Twitter libre. Ouais. Mais franchement, pour avoir essayé un petit peu, il y a pas grand monde pour l'instant. Mastodon, c'est un ouais. petit peu. Mais c'est intéressant de proposer une alternative à Twitter. La Provence. Le progrès, la Provence. Aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France. bah non, fais chier, ouais, parce que je rate des infos. Je les ai après tout le monde, c'est pas grave. C'est faut accepter des fois. Avant, bah oui. avant j'avais une info un mois après tout le monde. Après, tu vois, Twitter, c'est à la fois, c'est le culte de l'instantané, ouais. et c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Ouais, je pense qu'on en parlera sûr, tout à l'heure, mais évidemment. C'est le culte de la punchline, de fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le souci. J'explique pourquoi j'ai quitté. Parce que, alors j'explique très simplement, et après on passe à autre chose. Je viens d'un monde, j'ai grandi en quartier. J'ai grandi en foyer et en quartier. Je viens d'un monde, quand il y avait des conflits, quand des gens t'en voulaient, des machins comme ça, on les réglait tout de suite. Et même si on se battait, après, bah, on restait potes et tout, etc. Et le problème était réglé. J'ai aucun problème avec les haters. C'est-à-dire ceux qui m'aiment pas, je m'en fous. Quand c'est des anonymes, je m'en fous, et il en faut. Et c'est toujours comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Mais j'ai un problème avec les gens influents qui te détestent et qui poussent les gens à te détester. C'est ce qu'on appelle un peu du harcèlement bizarre, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens influents dans le rap, des chroniqueurs de merde, des machins comme ça, qui arrêtent pas de tweeter sur WAM. Ils me lâchent pas. Moi, j'ai jamais parlé d'eux. Eux, ils me lâchent pas. Et du coup, ils emmènent un public à me détester gratuitement, sans aucune raison. Parce que un truc leur plaît pas, un freestyle que j'ai fait leur plaît pas, un machin que j'ai fait leur plaît pas. Et moi, ces gens, je les ai jamais croisés. Et ils me mentionnent jamais. C'est-à-dire que si on était dans une vraie vie comme j'aime moi, c'est-à-dire ils me le disent en face, même s'ils le font après, c'est pas grave, en face, on va le régler le truc. Mais ils me le disent jamais en face, et quand je les ai croisés une fois en soirée, je m'en suis rappelé après, le mec a fait... Ouais, il t'a esquivé. Voilà, il a esquivé. Donc là, maintenant que je sais qui c'est, je les ai identifiés, je vais les voir. Quand je les recroiserai, j'irai les voir. On ira parler. Ou pas. Mais est-ce que c'est pas plus simple de les bloquer, tout simplement? Mais non, parce que ils sont contents, en fait, ou pas. Ils sont contents que je les bloque. Oui, c'est vrai. Ils sont contents, c'est vrai, après ils affichent, regardez, il m'a bloqué, il a la haine et tout. Et leur public au de merde est content. Au pire, tu les masques, hein, tu les vois plus. Ouais, mais même quand je les masque, ils continuent les gens me marquent après et je les vois. Et le problème, c'est que ces gens-là se font. Leur truc, c'est. Ils tweetent que de la haine. Que celui-là c'est une merde, celui-là, et il marche que là-dessus. Et moi, je ne veux pas participer à ça, parce que soit ils sont anonymes et je peux pas les croiser, ils ont du monde, mais ils sont anonymes et je peux jamais les croiser, ou soit ils sont influents, ils sont dans le milieu du truc, mais quand ils me voient, ils changent de route. Donc c'est que du lâche, et moi j'aime pas les lâches, et j'aime pas voir ça sur moi, et surtout, que les gens me disent j'aime pas ta vidéo sur YouTube, je m'en fous, en commentaire, bah voilà, c'est pas grave, ça arrive, et puis j'en ferai une autre qu'ils aimeront, mais que ce soit des gens influents qui fassent ça et qui poussent les gens. Moi ça me va pas, et ne vous inquiétez pas, ce message, je sais pas s'il sera vu, mais je vais vous croiser, c'est sûr et certain, et j'adore me battre, vraiment. Tu la joues Liam Neeson, je vais vous trouver, j'adore, je vais vous attraper. Je te jure, en plus c'est une passion, la bagarre c'est une passion, donc je l'ai fait depuis tout petit et j'adore toujours me battre, donc il y a pas de problème, je vais vous croiser. En attendant, je mets mon compte Twitter en privé, comme ça ils peuvent pas récupérer mes tweets, machin comme ça, et tu sais qu'il y a plein de potes à moi, dont je tairai les noms, youtubeurs, qui ont arrêté Twitter à cause de ça, à cause des gens influents qui arrêtent pas de leur cracher dessus, machin. Et c'est, en fait, c'est relou, c'est contre-productif parce que tu lis ça et pendant une semaine, tu te dis bah non, je suis nul en fait, je suis une merde. Et en fait, tu oublies que les gens, la plupart des gens t'adorent, te kiffent. Moi, j'ai que des messages positifs. Comprends. Et tu oublies ça. Et du coup, j'ai préféré me casser pour faire de belles choses. Voilà. Je comprends. Moi, le problème que j'ai avec Twitter, si tu veux, c'est, je pense que c'est aussi lié à ce climat de haine dont tu parles, c'est le fait qu'il faille être concis, tu vois, ouais. Faire, avant c'était 140, tu vois, maintenant c'est 280 caractères. Il faut être concis, il faut aller au plus court, et du coup ça t'oblige à être un petit peu incisif, oui, tu vois. C'est à dire que plutôt que de dire bah excuse-moi, mais je trouve que machin, tu dis bah c'est de la merde, voilà, histoire de. Et après, tu vois, on vient t'emmerder parce que moi aussi ça m'arrive d'être méchant, tu vois, comme bien sûr, dire bah voilà, mais si t'es pas content, c'est le même prix, tu vois, parce que j'ai pas le temps d'écrire dans un tweet, je trouve que nanani. Non, mais il y en a qui le font dans le but de faire du retweet, c'est vrai, mais quand même. Le truc, si tu veux, c'est que j'ai déjà eu des discussions avec des gens, quand tu prends le temps de discuter avec eux, soit en dehors de Twitter, soit de manière un peu plus, pas polie, mais voilà, tu prends le temps d'expliquer tenant et aboutissant, etc., tu tombes en face de gens à peu près cohérents et qui finalement disent « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » Voilà, toi t'as ça, moi j'ai un autre exemple. C'est-à-dire que... C'est l'inverse. Moi j'ai un autre exemple, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui m'a chié dessus pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Vraiment, sur Twitter, il faisait des retweets en m'insultant et tout, etc. Je l'ai retrouvé. C'est-à-dire que je connais des gens qui le connaissaient et j'ai fait passer un message. Très violent, certes. Ouais. Pardon, mais j'ai fait passer un message très violent.
Deux jours après, j'ai reçu un message dans ma boîte. Pardon, je recommencerai plus. mec, je savais pas que tu connaissais lui. Nanana, nanana. Ah, bah. Donc tu vois, c'est toujours pareil. On est face à des lâches et moi, j'en peux plus des lâches. J'en peux plus. Je veux vraiment. Si, je suis pas méchant en plus. Je te jure, je suis pas méchant. Il est pas méchant. Regarde Hugo, je te jure, c'est vrai. Je fais pas la Kaira ni rien du tout. Jamais je me battrai pour rien. Jamais j'irai chercher la bagarre pour rien. Je suis dans mon coin, je fais mes trucs. Par contre, si on vient me chercher à répétition, là je deviens méchant. Ouais. Et je trouve que c'est légitime. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est légitime. Mais voilà, donc pour si on me laisse tranquille, il n'y a aucune raison que je sois méchant. Après, on est populaire, il y a des gens qui nous suivent. Que les gens n'aiment pas notre travail, c'est comme ça. Mais bien sûr. L'acharnement, les tweets, les machins, non. Non, et je vais te casser la gueule. C'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Mais du coup, pour l'instant, je pars de Twitter. J'ai rencontré des gens formidables grâce à Twitter, toi, Victor, ma team DBZ et tout, etc. C'est ça qui me fait chier quand je quitte Twitter, mais malheureusement c'est mieux pour mon travail et c'est mieux pour ma santé mentale. Je comprends. Mais du coup, est-ce que tu veux commencer par un jeu de bagarre peut-être ? Allez, vas-y, ouais, on va se calmer. De faire de la bagarre. Vas-y, mets ce que tu veux, attends, on va se calmer. En jeu de bagarre, alors j'ai des jeux de shoot. Mais j'ai aussi des jeux de bagarre, vas-y. Genre Ready to Rumble Boxing. Tu m'as dit que t'aimais pas trop Smash Bros, donc voilà. Regarde, sinon, il y a Xena la guerrière, si tu veux. Non, j'ai joué la dernière fois avec Flaubert, c'était pas ouf. Xena la guerrière, c'est de la merde. C'était pas ouf. Mais regarde, c'est rigolo d'y jouer. Et certes, les non-dits sont absurdes sur tout type de plateforme. J'ai Twitter et j'ai assisté en direct à du drama, bah c'est un ridicule. C'est exactement ça, c'est ridicule à chaque fois. Et ça se finit. J'ai beau m'énerver à chaque fois, tu as vu passer des tweets où je parle mal. Oui, bien sûr. Ouais, mais moi aussi, ça m'arrive. Voilà, et j'ai beau m'énerver, à la fin, ça finit toujours par. Et merde, je me suis énervé pour rien, ça ne sert à rien, ça n'aboutira à rien. Donc je fais, allez, stop, je mets mon compte en privé. Grégoire Ludig, qu'on se suit, il est en privé lui aussi. Ouais, bah ouais. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où il a raison. Bah bien sûr. Plus on est rare, mieux c'est en vrai. Parce qu'on n'a pas besoin de dire ça. Bah effectivement, ça l'a beaucoup cité sur le chat, mais Antoine Daniel, c'est exactement ça. Ouais, je savais pas c'est quoi l'histoire d'Antoine Daniel. Il n'est pas passé en privé, mais en fait, Antoine Daniel, il y a eu tellement de... Après What the Cut 37, ouais. Il y a eu tellement de harcèlement en mode, c'est quand le prochain What the Cut, c'est quand ouais. Est-ce que tu sors un nouveau truc, etc. Si on rajoute à ça Clyde Vanilla, qui a pas marché autant qu'il l'espérait, ouais. Je pense. Et ben résultat, ses tweets, c'est au compte-gouttes, quoi. Et parce qu'il sait que dès qu'il va tweeter un truc, va y avoir des. Au fait, c'est quand le prochain machin. Donc il a arrêté à cause de ça, etc. Donc je sais qu'il est plus beaucoup sur Twitter et qu'il essaye de l'éviter au maximum. Parce qu'à chaque fois qu'il tweet un truc, c'est ah ouais, en fait. Moi je vais continuer à faire. Parce que maintenant que je suis privé, je continuerai à faire quelques tweets. Mais jamais me mettre dessus à fond. Je vais faire un tweet pour de la promo, faire un tweet pour des machins. Parce que même privé, t'as quand même 350 000 personnes. Ouais, c'est ça, j'ai 350 000 personnes. Mais dans ces 350 000, je sais que dans ces 350 000, il y en a qui seront capables de faire des captures d'écran pour dire regardez ce qu'a fait John Rachid. C'est des infiltrés. C'est ça, il y a des infiltrés dedans. Mais au moins, moi, j'ai la conscience calme et les autres, ceux qui continuent à m'attaquer, qu'ils continuent, je vais les croiser. Et si je les croise pas, il y a quelqu'un qui va les croiser pour moi. donc voilà. Mais voilà, Reddit, ils ont raison, mais j'aimerais bien, je sais pas m'en servir de Reddit. Bah moi non plus, jamais. Et t'as un Discord peut-être Discord John Rachid? Non, j'ai rien du tout moi. Non. J'ai Facebook, Instagram. Mais Instagram, je suis beaucoup sur Insta, si vous voulez me suivre, c'est Insta. Eh ben écoutez, suivez, c'est quoi ton John Rachid. John Rachid. Go, on joue à la bagarre. Eh ben écoute, on joue à la bagarre. Est-ce qu'il y a un jeu Ready to Rumble, allez non? Ready to Rumble, eh ben go Ready to Rumble. Let's je te préviens, je suis une grosse merde à Ready to Rumble. Moi, j'ai quelques skills que j'ai retrouvés. Alors, j'en profite pour dire merci. Il y a quelqu'un qui s'est abonné, GoGoX54. Merci à lui. Merci. Ça fait plaisir. Parce que quand il s'abonne, c'est de l'argent. Et l'argent, ça sert à acheter des jeux N64. Merci pour l'argent. Merci beaucoup. Non, en vrai, merci. Facebook, ah oui, ma grand-mère m'en a parlé une fois. J'y suis rarement. Le vieux truc. En vrai, moi, j'ai arrêté Facebook, en fait, un peu de la même manière que toi, mais pas pour les mêmes raisons. Tu préfères la manette bleue ou la manette verte? Peu importe, verte, allez, je prends allez, la verte. Verte. Tes manettes marchent bien, toi, y'a pas de couilles? Ouais, bah tu peux regarder le stick, pas de jeu. Non, mais en ayant autant de jeux, c'est normal que. Mais je vais te dire un truc, j'ai 6 manettes. Alors qu'il y a que 4 ports. Mais je sais que si jamais il y en a une qui chie, voilà. Et d'ailleurs, je voulais te montrer cette petite curiosité aussi, si ça t'intéresse. Vas-y. C'est Retro Fighter qui a sorti ça. C'est une manette N64. USB non, classique, qui se branche à une N64. Ouais. Mais avec une forme pas trident, tu vois. En forme de manette Xbox, plus récente, ouais, voilà, Xbox, merde. GameCube. Mais il y a pas. Ah, si, le joystick il est là. Si, le joystick, tout est au génial. Bon endroit, quoi. Et du coup, voilà, si t'as envie de tester à un moment dans la soirée. Alors moi, j'ai ma 64 qui est à Lyon. Ma GameCube, et pareil, toutes mes consoles sont à Lyon. Et à Paris, j'ai un émulateur, donc je prends des manettes USB.
Ouais, je vois. Donc voilà, j'ai comment on appelle ça? Un truc, c'est un émulateur génial où il y a tous les. Ah oui, Rome Station. Rome Station, voilà. Génial, c'est ça. Génial, Rome Station. Eh ben écoute, hop. Ouais. Allez. Bon, moi en fait j'ai quitté Facebook. Avant j'avais Facebook en favori, tu sais, en marque page qui s'ouvre. Maintenant j'ai mis que Messenger, histoire d'avoir que la partie Messenger, parce que en fait. Pour ma chaîne YouTube, je suis beaucoup de comédiens de doublage, tu vois. Ah oui, mais ils sont tous sur Facebook. Ils sont tous... Oula, on a baissé à mort le son. Vous nous dites si vous nous entendez toujours, mais normalement, ça devrait aller. Et en fait, c'est très triste, mais en suivant les comédiens de doublage sur Facebook, ouais. Je me rends compte qu'il y en a quand même pas mal qui... Je vais dire les choses comme je le pense, je suis désolé. Il y en a pas mal qui sont de droite. Ah oui, oui. Très de droite. Mais mec, moi, oh non. Et du coup, moi, à chaque fois, je suis en mode, oh non, mais pas toi. Non, si mec, j'ai entendu des trucs, je le dirai pas parce que ça regarde, c'est la vie privée des comédiens de doublage. J'ai entendu des comédiens... mec, ça m'a fait trop mal au cœur. J'ai entendu que des mecs étaient vraiment votés très très à droite. Mais bien sûr. Et qui avaient des problèmes avec les Arabes, on va pas se mentir. Et ça m'a fait tellement mal au cœur, mec. Mais j'ai oui, fait, non. Surtout quand c'est une voix de ton enfance, tu vois, ça j'ai fait mal. J'ai fait, non, je veux pas savoir ça, putain. Du coup, moi j'ai coupé Facebook, je suis en mode, mais je veux pas savoir. Mec, je te jure que c'est vrai. Oh non, merde, toi, tu fais... Moi j'ai une amie qui fait du doublage, une comédienne, et elle m'a dit, ah ouais, mais tu l'aimes bien? Bah dommage, parce que la dernière fois qu'on était devant le métro, il m'a fait, voilà, toujours les musulmans, tout. J'ai fait, non, pas lui, putain, je l'aime. Pourquoi? Putain, je suis dégoûté. Ce qui explique peut-être pourquoi un certain comédien que je ne citerai pas a refusé de participer à un jour de pluie, ouais. Ah putain. Oh, on sait pas se battre, regardez. Ah, on bah est ridicule. Non, pas du tout. Alors attends. Ah oui, voilà, c'est bon. Déjà, je vais baisser la. Voilà, la luminosité, voilà, merci mec. Hop. Manière normalement avec la petite lampe d'appoint. C'est parti. Ça devrait être bon. Alors. Il y avait Michael Jackson dans un vidéo. Oui, mais c'est uniquement dans le 2 et le 2 il est pas sorti en Europe sur N64. Ah ouais, hélas. Alors attends, A et B c'est pour éviter, mais c'est complètement. Si, c'est A B pour éviter, les coups de poing c'est là. Ouais, c'est ça, c'est. Allez. C'est... Hop. Tiens, plein la gueule, c'est sûr. Ah non, moi aussi je peux le faire. Ah ouais, bien. Ah comment on déclenche le Rumble après déjà? Alors là, tu me poses des questions. Ce jeu, j'y ai joué. Allez, en tout et pour tout, une heure à tout péter quoi. Ah putain. J'appuie sur les boutons au pif, hein, on est d'accord. Non, non, moi j'essaie de combiner des coups. Et là, il y a le Rumble, attention. Ah putain, merde. Je vais rien faire du tout. Ah, je crois qu'il faut juste bourriner sa manette. C'est dur d'être de gauche, je suis aussi de gauche. C'est tellement relaxant ce genre de live, c'est vraiment chill, j'adore regarder de temps en temps. Ouais, salut Yo le streamer. Merci, moi aussi on se relaxe quand on fait ça, c'est génial. On est tous deux à Lyon, ce serait bête de... On est détendu. Mais ouais, en plus t'y passes souvent à Lyon. Donc ouais, une fois par mois celui-là. Eh ben écoute. Ma famille, avant tout. Hop là, hop là. Bah oui, carrément, je te l'ai dit, regarde, c'est le deuxième. Quand vous voulez. Putain, je voulais parler de doublage et de Game of Thrones que je viens de regarder entièrement pratiquement. Je suis sur la saison 8. J'ai regardé ça en un mois. Ouais. Le doublage français, il est incroyable. Mais je suis tellement d'accord. Il est incroyable. Il est parfait de bout en bout. Quand il y a des fans de Game of Thrones qui viennent me dire, oh là là, mais tu regardes en VF, mais t'es sous merde. Je suis en mode, mais attends, t'as vu Constantin Papas? Non, je vous jure, il est incroyable. Le doublage français est lourd de ouf. Il y a même Jamie Lannister qui est doublé par Boisseau. Mais oui. Non, il y a même Boisseau. Il y a un casse de ouf. Il y a Jean-Louis Fort sur le mec de la friendzone de Daenerys. Ah oui, oui, attends. Mormont, c'est pas ça? Ouais, mais il est pas dans la saison 8 du coup. Si, je crois, au début. Parce qu'il est décédé, c'est ça? Il est décédé entre temps, c'est ça? J'ai rien dit. Voilà, c'est ça, c'est le problème. Y a qui? Y a Philippe Ariotti? Oui, de ouf! Qui joue un septon là? Non, mais y a tellement de monde. Je me rappelle plus qui c'est qui double Jason Momoa, mais il est énorme aussi. Non, mais la VF est incroyable. Moi j'adore Constantin Papas sur. Sur Tyrion, il est magnifique. Tyrion. C'est un mec, je l'aimais déjà dans The Dark Knight. Mais il est magnifique. Incroyable. Et vraiment, dans Game of Thrones, il est génial. Attends, et en plus, c'est un mec super sympa. J'ai un extrait. J'ai capturé des extraits de Game of Thrones tellement c'était bien. Je te laisse 2 minutes, je passe aux toilettes. Vas-y. Attends, moi je vais vous trouver l'extrait. Après, Jon Snow, c'est pas la VF, c'est le jeu d'acteur qui me bloque. Mais la VF, elle est trop bien. De Jon Snow, sa VF, elle est géniale. Attends, il est où l'extrait que je voulais vous faire écouter? Tyrion Lannister. C'est un truc où il dit chat. Moi, quand il dit chat, ça me fait rire. Attends, merde. Je vais le retrouver. J'ai tout enregistré de toute façon. Action. Non, ça c'est moi.
Qui a vu en VF Game of Thrones? Dites-nous. Alors cette séquence est incroyable. J'ai pleuré plusieurs fois. Hein. On le peint avec eux, mais ne seront jamais partis de leur famille. Nous avons appris leur... Oh, c'était lourd ça. Moi j'ai regardé Game of Thrones, mais en VF ou pas? Yes, en VF, très bien. Moi aussi j'ai pas vu Game of Thrones. Alors moi j'avais pas vu et je me disais ouais, tout le monde regarde, je regarde pas. Et quand j'ai commencé à regarder, pa, j'ai plus lâché. C'est incroyable. C'est tellement bien. Je sais plus où est l'extrait. Y'a un pote qui essaye de m'appeler. J'ai mixé VF et VO selon ses saisons. Moi je l'ai fait tout en VF. Et je vais me le taper en VO quand je vais le regarder. Game of Thrones ou Breaking Bad? Je vous jure que Game of Thrones. Mais t'as regardé Breaking Bad? Ouais, tout, évidemment. Et franchement, tu préfères Alors Game of Thrones? En fait, ça fait longtemps que j'ai pas eu les émotions que j'ai eues à la saison 6 de Game of Thrones. Voilà. La saison 6, pour moi, c'est la perfection. Moi, je vais être honnête, Game of Thrones, j'ai regardé... En fait, à l'époque, j'achetais les saisons en DVD quand elles sortaient. Ouais. Et en fait, à chaque fois, on me les offrait, genre pour Noël, tu vois. Ouais. Et on m'a offert la saison 3, et j'ai regardé la saison 3, et je me suis forcé à regarder la saison 3, tu vois, jusqu'aux noces, les fameuses noces pauvres, voilà. On m'a dit, tu vas voir la scène des noces, incroyable. Et en fait, merci Balkany qui donne 1€. Bonjour John, passe à la maison. Balkany qui donne de l'argent. Mais oui, mais ça c'est formidable. Il y a un mec qui son pseudo c'est Balkany, à chaque live il donne de l'argent. Il donne de l'argent. Il rend l'argent. Mais à moi, c'est formidable. C'est génial. Allez, go. En vrai, j'ai regardé les trois premières saisons. Et à la troisième saison, si tu veux, j'ai dit, allez, c'est bon, ça me saoule. Ça, ah ouais? J'aimais pas du tout. Enfin, j'ai tellement enchaîné, moi. C'est pas que j'aimais pas, mais en fait, pour moi, c'était juste Dallas dans un univers. Dans le Moyen-Âge, ouais. Et j'étais en mode, mais je kiffais déjà pas Dallas, tu vois. Donc... Oh non, merde. Et du coup, en fait, j'ai lu tous les spoils d'un coup. C'était genre la saison 6 ou 7. Et j'ai lu tous les spoils en mode, mais de toute manière, je vais pas me forcer à regarder cette série. De toute manière, je veux pas la voir, quoi. Donc, tu vois, au bout d'un moment, j'ai juste laissé tomber, quoi. Merde! Non, mais t'as pas regardé jusqu'à la fin, du coup. Mais en fait, j'ai une amie qui est passée il y a quelques mois, au moment de la diffusion de la saison 8. Et elle m'a dit, vas-y, il y a le nouvel épisode qui est sorti, et je veux le voir. Elle. Et du coup, j'ai regardé avec elle. En vrai, il y a des trucs intéressants, mais il y a des trucs moins intéressants. Bah. La saison 8, en gros, il y a une grosse bagarre, je te la spoil pas, mais il y a une grosse bagarre. Et j'étais en mode putain, mais ça les arrange bien que ce soit la nuit quand même. Ah, mais c'est pas que... c'est très sombre d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est très très sombre. Et tu vois, on avait beau me dire, mais c'est normal. Ah, c'est, je me suis dit ça un moment, un jour, je me suis dit, comme ça ils se prennent pas la tête sur les effets spéciaux quand mais c'est bien la nuit. C'est ça, et on m'a dit, mais c'est normal parce que c'est le roi de la nuit, etc. Donc ouais. C'est normal, il l'a. Tu m'as spoilé, attention etc. Non, je te spoil que dalle. Mais du coup, c'est un perso qui apparaît la nuit et tout, donc c'est normal. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est pas une excuse, tu vois, c'est l'excuse voilà. Du pauvre. J'ai déclenché le rumble. Ah, t'as déclenché le rumble, bah vas-y. Ah bah ça n'a servi à rien. Pour rien, c'est le round final. Alors Valkyrie héberge le stream, merci beaucoup à lui. Faut que je mette à jour les objectifs parce que c'est pas du tout ça. Allez, on passe aux choses sérieuses si tu veux, on va jouer à un jeu qui te plaît. C'est toi qui choisis. Okay. Parce que là, t'es en forçage. Ouais, ah non, mais Ready to Rumble, je suis très très mauvais. Alors, un jeu qui nous plaît à tous les deux quand même. Est-ce que t'es plutôt Vroom? Puzzle game ou shoot? Shoot. Allez. Shoot. Eh ben va pour le shoot. Sinon c'est pas Mario Kart, hein, c'est classique de chez classique. Ah bah on peut commencer par Mario Kart. Au moins comme on ça, sait où on fait. Va. Voilà, comme ça on a la valeur sûre, on a Mario Kart, ça tourne bien, comme on dit. Hop là, je pense à rien à voir. Les gens m'envoient tout ce qui est rapport avec Dragon Ball Z. Moi, on me mentionne sur Twitter à chaque fois que ça parle de doublage. Mais bah oui. Au bout d'un moment, tu vois, c'est juste tout le monde. C'est genre quelqu'un qui dit ah là là, le doublage c'est nul. Ouais. Et là, c'est donc, oh, Mr. Fox, regarde ce qu'il a dit. Vas-y, tu vas lui péter la gueule. Moi, je suis en mode, mais les gars, vous êtes des grands garçons. Au bout d'un moment. Y'aura un replay du live ou pas? Ouais, y'aura un replay. Y'aura un replay. Tout voilà, Mario Kart classique. C'est dans les vieux pots. On fait les meilleures marmites. Hein, quoi? Et est-ce que tu regardes Walking Dead? Non, j'aime pas trop les trucs de zombies. Alors moi j'aime pas du tout Walking Dead pour être très honnête. Et mais ce qui paraît ça fait que ça les saisons. Mais c'est dirigé par mon chouchou. Ah, je sais que ton chouchou c'est Lutioni. Ouais. Moi mon chouchou c'est Benoît Dupac. Benoît Dupac c'est la voix de Nizuka. Oui, je sais. Il est la merveilleux. Voix du grand JD. C'est ça. Ils ont la même voix mec. C'est vrai, on me l'a dit ça.
Mais le truc, c'est que Benoît Dupac, c'est genre le mec qui m'a fait m'intéresser au doublage, tu vois. D'accord. Donc, à chaque fois que je le spot dans un truc quelconque, je suis en mode. Ah oui, putain. Ah, tu joues Todd, toi? Ouais, tout le temps. Ah putain, il joue Todd. Todd et la tortue, normalement. Tu sais comment il s'appelle? Koopa. Ouais, mais il n'y a pas de Koopa sur le 64. Tout le temps, moi, c'est depuis la Super Nintendo. J'ai pris l'habitude. Je prenais toujours ces deux persos. Et j'avais fait un bon départ, putain. Moi, j'aime beaucoup Bowser parce que. Il est lourd, mec. Il est lourd et genre il pousse tous les autres, quoi. C'est même pas la peine d'essayer. Pour la conduite, c'est pas agréable, hein, mec. Ça dépend. Une fois que tu le gères bien, c'est vraiment un plaisir de le conduire. Puis ce qui est bien avec Mario Kart, c'est qu'on peut discuter en même temps parce que. Ouais, c'est grave. On peut jouer. Mais attends, ce que je trouve formidable, attends quand même, c'est que tu réussis à nous faire mettre un écran où il y a la 64. Et en même temps le chat, mais comment tu fais ça là? Ça m'intrigue. Oh, c'est un layer sur le logiciel de stream en fait. Ouais. Tu peux mettre plusieurs couches, tu peux mettre plusieurs modules. C'est ouf. Donc t'as un module chat, t'as un module webcam. Moi j'ai ma clé USB qui capture la N64. Et puis en dessous il y a des petits modules, mais ça j'ai appris à mon serveur il y a pas longtemps du tout. Et voilà, il y en a un qui nous fait chier parce qu'il est dernier. Non, mais. Faut toujours les intéressants les derniers. À tout pour faire chier le monde. Les derniers, tu vois. Mais tu vois, tu as vu la vitesse à laquelle je t'ai. Oui, c'est vrai que c'est abusé. Le monde, quoi. Y a pas les turbos dans celui-là-ci? Si. Tu vois, t'es jaune, t'es rouge. Quand t'es rouge, ça fait le turbo. Ouais, c'est ça. C'est les dérapages, les fameux. Oh, va te faire foutre la banane. Alors, si tu veux une bonne technique, quand tu passes sur une banane et que tu sais, y a le petit bruit en mode tu vas bientôt glisser, ouais. Tu fais B et ça annule la glissade. Ah ouais? Ouais. Je connaissais pas ce truc. Tu vois apparaître une petite note de musique, en gros le perso il est en mode bah les couilles. Mec, voilà. Ça fait 20 ans que je joue à Mario Kart, je connaissais pas cette astuce. Mais moi en fait je l'ai pas appris à l'époque où je jouais gamin, en fait c'est des années plus tard que oui, je l'ai appris. Tu connais. Je jouais contre un pote, lui il avait internet, ce bourgeois. Allez. Et du coup. Et nous on était sur les consoles plus dans les bureaux de tabac. oui c'est ça. Mais moi j'habitais dans un petit village de merde, tu vois, donc. Où ça? Allez, à côté de nous. En Auvergne. Ah oui, où ça? Moi j'ai passé mon enfance. Je vais pas balancer le nom du village. Balancer, tu veux pas balancer. Mais voilà, c'était un tout petit village, ouais. À 400 habitants, dont 300 vaches, tu vois. Ouais. Et on était trois jeunes, tu vois. Et il y en a un, il avait internet, du coup, il avait lu la technique. Et moi, j'étais en mode, mais putain, comment tu fais? Et comme un gros connard, il se le gardait pour lui, tu vois. C'était en mode, ah, c'est mon secret. Ah, génial. Non, moi, je connaissais pas du tout cette astuce. Allez, le 8ème, il nous fait chier. Il a des étoiles de merde. Parce que Bowser, une fois qu'il va vite, il va vite. Mais le problème, c'est qu'il met super longtemps. Tiens, tenez tous, allez. Oh non, putain, allez, prends-toi les bananes. Non, je voulais pas passer sur toi, mec. Tu vas prendre les bananes. C'est injuste, ah, la vie. Mais c'était le dernier c'est tour. C'est injuste, la ah, vie. Ah putain, fais chier. La vie de Mario Kart est injuste. Ah là là, putain. Ah, j'ai vu ta dernière vidéo sur Akira, elle était géniale. Ah bah c'est gentil. C'était génial. Ça fait plaisir. Une autre à bientôt ou pas? Ouais, là je suis en train de bosser sur une très très grosse vidéo. Okay. Mais vraiment, ça fait plus d'un an que je bosse dessus pour être très honnête. Ah oui, d'accord. Sur Futurama. Ok. Parce que Futurama, il y a 4 VF. Il y a 4 VF. En gros, si tu veux, la série, les premières saisons ont été achetées par Canal. Ouais. Et du coup, Canal, tu sais les doublages qu'ils font, les Simpsons, South Park, ouais. C'est de la bonne qualité, tu vois. Et du coup, il y a Alexis Thomasian sur le c'est rôle ça, principal. Ouais. T'as Bernard Tiffen sur le robot alcoolique. T'as Blanche Ravalek, t'as Jean-Pierre Moulin, t'as que des pointures, tu vois. Ouais. Fin de saison 3, Canal a arrêté d'acheter les droits. Donc, c'est une autre boîte qui a acheté un an plus tard et qui a sous-traité ça dans un autre studio. Et il y a la moitié des comédiens qui ont pas voulu y retourner, tu vois. Ouais. Je t'écrase la gueule. J'essaie d'avancer. Ah donc, il y a pas la même VF En fait, il y a Alexis Thomasian qui revient. Il est resté tout le temps ou pas Alors justement, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que ça fait un an que je bosse dessus. Ok. Mais en gros, il y a que Alexis Thomasian à peu de choses près. Putain, pourquoi je me suis pris la carapace pour premier? Je t'ai pas promis. Enfin bref, à part Alexis Thomasian, à peu près personne n'est revenu, tu vois. Jean-Pierre Moulin. T'as Alexis Thomasian, il y a pas longtemps, j'ai découvert des vidéos de lui. Oui, avec Donald Renew. C'est un ouf. c'est des ouf. Non, mais j'ai découvert d'autres trucs aussi. Ah, d'autres trucs avec Cartman, là. Avec Christophe Lemoine, ouais. Ouais, ils font des trucs, ils font des jeux entre eux, là. C'est très drôle. Mais c'est la même génération avec Adrien Antoine. Ouais, et tout. Il m'avait expliqué, Donald. Et le truc, c'est que. Ces deux VF, ils ont produit des films. Et ils les ont, parce qu'il y avait eu des pétitions à l'époque, ils les ont relocalisés avec l'équipe d'origine. Donc toute l'équipe d'origine est revenue, ouais. Sauf Alexis, parce qu'Alexis il est arrivé sur le plateau, et c'est pour ça que je suis allé l'interviewer pour lui demander des précisions, etc. Alexis il est allé sur le plateau, ouais. Il a vu qu'ils avaient une journée pour doubler un téléfilm et qu'ils étaient 10 pour 200 persos.
Et il a dit non mais les gars en fait moi je me casse parce que j'ai pas envie de faire ça dans ces conditions là. J'aime trop la série. Donc il s'est barré. Et en plus l'adaptation était nulle à yèche, mais enfin bref voilà. Sur un téléfilm Futurama. C'est ça, sur les 4 téléfilms du coup c'est pas lui, c'est un autre mec. C'est Laurent Mantel. Et sur les dernières saisons tout, à peu près tout le monde revient. Sauf Blanche Ravalec qui double Leila. On ne sait pas pourquoi, peut-être un juste problème d'emploi du temps. Et le problème, c'est que c'est 10 ans plus tard, et du coup, il y en a certains qui ont bien vieilli, tu vois. Genre, merde. Bernard Tiffen, il a vachement pris dans la gueule. Putain, ça va être passionnant, mec. Mais ouais, c'est franchement, je l'ai dit sur Twitter, l'émission, elle durera plus d'une heure. Putain, c'est génial. J'ai pas Twitter. Mais oui, forcément. Mais voilà, j'ai interviewé Alexis Thomasian, j'ai interviewé Jean-Pierre Moulin. Ah ouais. J'ai une interview de William Corrine, qui à l'époque des premières VF était l'adaptateur. J'adore ce mec. C'est lui qui a écrit les textes. Et voilà, et tu. Je suis très content de traiter ce sujet parce que plus je m'attarde dessus, plus je me rends compte qu'il y a un milliard de choses à dire. Putain, trop par bien. Exemple, tu vois, il y a je connais pas bien Futurama. Moi. Dans les premières saisons, il y a des chansons, tu vois. Ouais. Et en fait, ils avaient pas de directeur musical. Ouais. Et du coup, c'est mal chanté. Et c'est assez intéressant parce que ça montre à quel point c'est important d'avoir un directeur musical, tu vois. King Claude Lombard, qui vient dire bonjour. Et là, ils font un travail exceptionnel sur les musiques hein, dans South Park. Dans South Park, déjà, c'est ouf. Est-ce que tu connais bien le raccourci de ce circuit? Non. Ah, tu connais pas le raccourci de ce circuit? Il y a un gigantesque raccourci. J'ai oublié ce circuit d'ailleurs. En fait, je vais d'ailleurs laisser faire en sorte que tu me passes devant, voilà. Parce qu'en fait, il faut que t'aies des putains de champignons pour passer le raccourci. Mais c'est un raccourci, il te fait couper la moitié c'est pas champignon, plus tu sautes, tu fais un saut, ouais, c'est ça. Il y a un petit tremplin avec une petite grotte. Je m'en rappelle. C'est génial de voxophilie. L'avoir. Ouais, attends, on va parler voxophilie encore. Parce que tu sais quoi, Donald, je lui ai déjà dit, je reproche un truc à son émission. Je lui ai déjà dit la dernière fois quand je l'ai faite. C'est qu'il parle pas assez de doublage. Oui, mais forcément. Il est concentré sur le jeu vidéo. Il est là, putain, le passage. Ouais, j'ai réussi à l'avoir sans turbo, c'est la première fois. Il est concentré sur le jeu vidéo et là, par exemple sur Féodor Atkin où j'attendais plein d'anecdotes. Bah et plein ouais. Ils sont très concentrés sur le jeu et j'étais un petit peu deg. Je le cache pas. Mais je vais dire. C'est pas non plus les interviews de Carsanti quand même. Oui. Il parle un petit peu. Il rentre un petit peu dans le vif du sujet. Oui, d'ailleurs, il et puis, y a aussi. Ce qui est bien aussi avec les lives de Donald, c'est qu'il y a les spectateurs. Et tu vois, les spectateurs, ils ont un sujet en particulier. Ils ont envie que le mec en parle, et le mec en parle jamais parce que c'est un petit rôle de sa exactement. Et genre, Féodor Atkin, y a un mec sur le chat qui a demandé des détails sur Monsieur Bébé, et moi j'étais en mode, putain, mais Monsieur Bébé, mais j'étais un gros fan de cette série, j'étais un gros fan de la performance de Féodor, et je suis sûr que Donald, malgré qu'il soit calé, qu'il soit du métier, etc., il n'aurait jamais pensé en parler parce que c'est un petit rôle. Mais c'est exactement, il y a souvent, à force de rencontrer des comédiens de doublage, moi aussi, il y a souvent des trucs où je dis, putain, mais c'était mythique pour nous, c'était génial et tout, et pour eux, c'était 10 minutes dans une journée. Mais hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment, la différence, c'est que nous, on l'a idéalisé parce que c'est notre enfance, mais que eux, ça a pris une heure dans leur journée. Exactement. Donc, je m'en rappelle plus. Mais c'est pour ça, tu sais, les gens, ils me demandent toujours de parler de dans les commentaires, tu vois, on me dit, c'est quand que tu fais une émission sur Dragon Ball, c'est quand que tu fais ce genre de truc, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, Dragon Ball, ça m'emmerde un peu, parce qu'en fait, on a tellement posé un milliard de questions à Eric Legrand, à Brigitte, etc., que du coup, je pense pas avoir plus de trucs à raconter. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, et Dragon Ball, c'est ce qui a emmené la hype du doublage. Oui, c'est vrai. Donc, tu vois, les gens s'intéressent au doublage un peu grâce au doublage de Dragon Ball. C'est ça. Mais je vais te dire, ça c'est un truc qui m'emmerde et je compte faire une vidéo là-dessus, un de ces quatre. C'est les gens, je sais pas si toi t'en as dans ton entourage. Ouais. Je sais que toi t'en fais pas partie, tu vois, donc je sais que tu te sentiras pas visé. Ouais. Mais moi ce qui me fait chier, c'est les gens de nos âges, tu vois, qui ont la trentaine. Ouais. Sont en mode, j'adore Brigitte Lecordier, j'adore Éric Legrand, j'adore machin, tu vois, Vincent Ropion, je suis trop content qu'il reprenne son rôle dans Nicky Larson. Mais pas c'est ça qu'ils disent, ah non, mais moi je regarde que de la VO, tellement... et quand j'aurai un gosse, je lui montrerai de la tellement, VO pour qu'il soit fort en anglais. C'est exactement ce que je disais, c'est la hype, ça c'est de la hype, c'est de la hype du doublage, c'est ouais putain trop fort les doubleurs de Dragon Ball. C'est ça. Tu sais les fameuses vidéos Combini ou machin que tu vois passer avec les doubleurs. Combini, c'est les premiers à faire des vidéos avec Brigitte Lecordier, etc. Et derrière, à dire enfin une série qu'on pourra regarder en VO. Voilà, c'est ça. C'est le faux passé. Mais ça, on les reconnaît, nous, les vrais passionnés de doublage. On les reconnaît, les mythos. C'est ça. On les reconnaît. Putain, j'ai fait une partie exécrable. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, j'ai vu ça. C'était très mauvais. Vraiment exécrable. Mais les. Comment dire. Les gens, tu vois,
ils sont contents d'avoir eu des voix de leur enfance. C'est ça. Mais ils comptent interdire à leurs gamins d'avoir leur propre voix de leur enfance. Tu grave. Vois. C'est scandaleux. Et surtout, ils s'intéressent pas au reste, quoi, parce que c'est tellement riche et le doublage, c'est vraiment abusé. Ouais. Bonne soirée. Okay. Surtout que tu vois, on me dit souvent les VF c'était mieux avant, tu sais, parce que les comédiens ils avaient plus de temps pour travailler, etc. Toujours ce petit truc du à l'époque on mettait 3 semaines pour faire un film, ouais. etc. C'était une autre époque. Déjà en me renseignant, j'ai découvert que c'était pas tout à fait vrai, que c'était les gros films où il y avait beaucoup de temps. Mais les péplums, voilà, et machin comme ça. Non, mais même pas les trucs genre Retour vers le futur, okay. Trucs comme ça. Tu vois, quand on piratait, il dit on avait un mois. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout la norme, tu vois, ouais. Un mois. Et tout ça. Et en plus, ce que les gens oublient, tu vois. Et pourtant, c'est les premiers à sauter là-dessus. C'est les références et les trucs comme ça, tu vois. À l'époque des années 80-90, t'avais pas internet pour aller checker de quoi c'est la référence, ouais, de machin, etc. Du coup, les adaptateurs, ils avaient un sens du dialogue, y a pas de souci, tu vois. Mais ils passaient à côté de la moitié des références, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils les remplaçaient par des références un peu bêtes, des fois. Voilà, c'est ça. Merci Balkany qui redonne 1€. Mister Rock, si tu veux, il reste des postes dans notre PME, le quartier Web et Diable Corporation. Ouais, bah écoute, moi je cherche de l'argent, je cherche du travail, donc envoie-moi des offres d'emploi. Mais t'as jamais eu de proposition de Webedia ou autre? Non. Jamais? Non. Ça t'intéresserait? J'ai un truc là qui je peux pas trop en parler, ouais. Mais peut-être que t'es au courant toi du coup. Non, peut-être mais, pas. Mais je t'en parlerai, hors antenne, je couperai Webedia. Eh, moi je suis chez Webedia, je suis très bien. Ça va très bien. C'est vrai. Non, mais j'ai un truc qui m'a été proposé, c'est pas, comment dire, c'est pas pro, on va dire. C'est pas, ça va pas être du pro payé, etc., qui me permettrait d'en vivre. Ouais. Mais c'est un projet super intéressant. Là, donc, tu vis pas, toujours pas de tes vidéos. Là je vis du chômage et bientôt du RSA. Mec, j'ai passé 7 ans à vivre du RSA avant que les vidéos marchent, en continuant, ouais, à faire mes vidéos à côté. 7 mais ans. Je vais quand même essayer de trouver un boulot à la con, tu vois, ouais, mais ouais. Clairement, j'ai envie de continuer YouTube, quoi, parce qu'il y a encore énormément de choses à mais dire. Mais oui, sur mais c'est super intéressant. Je pense qu'un jour, j'aurais fait le tour, tu vois. Je pense qu'un jour, vraiment, j'aurais fait après, le tour. Après, pas plus grand chose à dire. Après, mais... faut avouer que c'est un sujet niche. On va oui, pas totalement. Se mentir. Mais, tu vois, mais avec le sujet niche, t'as réussi à regrouper pas mal de monde quand même. Et bah, tu vois, ça me fait super plaisir. C'est que je reçois des commentaires, des fois, c'est genre, j'en ai rien à foutre du doublage. C'est ça. Je regarde tout en VO. Mais ta chaîne, elle est intéressante, c'est et ça. Elle fait prendre conscience de certains trucs, etc. Moi je suis en mode, mais mec, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne, tu vois. C'est ça, t'as réussi à intéresser, et encore on a de la chance avec cette hype du doublage qui revient là, et t'as réussi à intéresser pas mal de gens sur un sujet complètement niche. Mais oui, c'est ça. Mais après, les trucs du genre, on a beau taper dessus, tu vois, les trucs du genre Combini, les dossiers moi, sur DBZ, etc. Je déteste ça Combini. Ça aide, parce que les gens, tu vois, ils commencent en se disant, ah Brigitte Lecordier, nanana. Puis ils vont glisser, puis ils vont tomber sur, je sais pas, mon parlons VF, ouais, Pokémon. Ouais, ça c'est génial, ouais, ça arrive sur toi après, ouais. Mais moi, Combini, je déteste parce que ça, il y a le rédacteur en chef, il fait partie de ces enculés qui me crachent dessus sur Twitter. Ah ouais, d'accord. Et que j'ai toujours pas croisé, mais lui, je vais le croiser fort. Lui. Tu fais pas un Fast and Curious avec Combini? Bah non, jamais. Quoi. Ils ont jamais parlé de moi, ils parleront jamais de moi, et le rédacteur en chef, je vais l'attraper un jour. Mais j'adore quand tu dis je vais l'attraper. Mais c'est vrai, parce que c'est vrai. Je rigole pas. J'aime bien confronter en face les gens. J'aime bien les confronter, je suis super gentil, mais quand on me chie dessus à distance, je vais confronter en face, je vais dire bah alors, qu'est-ce que ça, c'était quoi déjà le sujet? Mais tu vois, ouais. c'est un petit peu pareil avec les anti-VF, tu vois. C'est des gens, tu vois, sur Twitter, ils vont dire ah, mais c'est une honte de regarder en VF, ça détruit le travail du comédien, ouais. etc. Tu parles 2 minutes avec eux, ils sont en ah oui, c'est vrai, ah oui. Moi, tu sais que etc. les anti-VF, à chaque fois que je parle de VF, je parle même plus, j'envoie le lien de ma vidéo sur le doublage. Ouais. Et voilà, tenez, allez. Bah moi les gens les gens qui aiment bien ma chaîne etc, ils ont tendance à balancer la vidéo sur la pétition, tu sais. Ah oui, c'est trop bien qui avait lancé la pétition. Mais cette pétition ridicule, putain. Tu t'avais très bien répondu en plus, c'était génial. Mais il y a des gens, tu vois, ils cherchent même pas à discuter, ils veulent même pas discuter, ouais. Tu vois. Ces gens, j'ai vu passer le nom de Anal Génocide, c'est des gens, ils veulent absolument c'est pas discuter. C'est un mec c'est un vidéaste comment dire, un peu on va dire polémiste, tu vois. Mmh. Qui a fait une vidéo sur moi en gros. Ah merde. Après la vidéo sur la pétition. Je te jure, la miniature c'est un bébé, ouais. Tu sais les stock images d'un ouais, bébé qui ouais, pleure genre, ouais. Et c'est marqué à côté ouin ouin j'ai la flemme de lire les sous-titres. Oh là là. Tu vois, ces gens là ils veulent pas discuter, ils sont pas mais là non. pour discuter, ils c'est veulent tellement pas de mauvaise un débat. Foi.
Je suis pas sur le podium, super, merci. Merci à tous. Je suis troisième, donc tu vois, je suis pas spécialement. Merci à tous, c'est ridicule. Mais on papote, donc forcément. On rigole, c'est pas grave. Tu veux en faire une deuxième ou on enchaîne? Allez, on fait une autre coupe et après on enchaîne. Ça marche. Quelle heure il est? Je surveille, moi je vais manger avec mon prof de boxe après. Je dis tout, c'est le live, je dis tout. C'est bon, on a le temps, on a encore une heure, facile. On est tranquille. Je vais le défoncer. Les gens, pareil, sur le chat, sont en mode je vais le défoncer. Ah oui, non, mais non, mais en plus, je suis pas là pour taper, je suis là pour confronter en face. Dis-moi la même chose en face. Vas-y, on va voir à quel degré je supporte. On va voir. Prof de boxe pour le gars de Combini? Non, je boxe depuis que j'ai 13 ans, mais c'est pas pour ça que j'aime me taper. Hein. J'aime me taper parce que je le fais depuis que je suis petit. Donc voilà. Et prof de boxe parce que. Les kilos! Les kilos du trentenaire! Bah, on l'a tous, mais je crois que moi un peu plus. Ah, mec, putain, moi je peux pas. Hein, hier, je suis sorti en soirée à Lyon. Chaque personne me reconnaissait, me disait hey, John Rachid, une photo, t'as grossi. Chaque personne. Genre, j'en peux plus. Mais c'est le pire truc à dire, putain. Moi, ça me viendrait pas à l'esprit de croiser quelqu'un. Hey, c'est toi, grossi. Machin. Hey, t'as grossi. T'as grossi, mec. Le pire truc à dire, putain. Ah, t'es gros en fait. Bah, je croyais que tu prenais toujours Todd. J'ai 34 ans. Ouais, là j'ai voulu tenter Mario parce que je suis pas sur le podium. Ok. Les kilos du ramadan, exactement, Sophia. C'est exactement ça en plus. J'ai mangé c'est vrai que c'était le ramadan. J'ai mangé tellement gras le soir. Oh putain, ce circuit, je le déteste. Mais tout le monde le déteste, ce circuit. Là. Et merde. Moi, t'as raté ta fusion. tu vois, il y a des bruits qui te font plaisir dans la vie, tu vois. Moi, c'est quand Todd se prend un camion. Oh. Il a ce petit. Tu vois duquel je parle? Totalement. Attends, dernièrement, je suis allé voir deux films. Ah. Et ça, c'est peut-être la vieillesse ou le bon sens. Tu t'es trop vieux pour ces conneries. Non, il y a des films que je vais voir directement en VO. Je cherche même pas à les voir en VF. Et ça, avant, ça m'arrivait pas. Mais c'est. Comment dire? C'est. Moi, c'est ce que je dis toujours. Mais sur je vais te dire quel genre de film. Je regarde pas que de la VF. Ouais, mais pareil, je l'aurais dit dans ma vidéo sur le doublage. Il y a des films, tu vois, c'est typiquement le truc. Les films asiates, ils sont encore aujourd'hui, je trouve, pas mal sous. William Corrine, il est très fort dans le doublage. Non, mais William Corrine. Sur Jackie Chan. Putain. Mais non, mais je veux dire, par exemple, tu vois, les directeurs artistiques, ils se disent c'est un petit film asiatique de balle. Ouais, ils se prennent pas la tête. On se prend pas la tête, on va appeler Premier Pékin venu, sans mauvais jeu de mots, tu vois. Ouais. Et voilà, et ça. Et... Sur Old Boy, ils avaient pas fait un beau travail? Alors, Old Boy, c'est un des rares contre-exemples, tu vois. Mais genre, tu vois, par exemple. Les petits films qui sortent en direct ou vidéo chez un petit éditeur, tu vois, qui l'a pas pris au sérieux, je me dis ok, c'est pas la peine d'essayer, tu vois. Ouais, vaut mieux direct. Ouais. Mais on le sent. En tant que, on le sent quand la VF va être bidon. Et alors moi, je suis désolé, mais oh là là, merde, faut qu'on en parle. Vas-y. La VF d'Aladin, putain de merde. Avec Anthony Cavana. Quelle horreur. J'ai pas vu le film. Y a pas que ça qui va pas. Ah vas-y, alors raconte. Parce que moi, je pense pas que j'irai. Je suis allé à l'avant-première. Moi, j'étais invité à l'avant-première. La VF est désastreuse. Elle est désastreuse. Attends, je vais vous dire quel film j'ai vu après en VO. La VF de Aladdin, c'est... Bon, Anthony Cavana, on va pas se mentir, il faut être franc. Ouais. Sur les passages chantés, il assure. Bah oui. Et il fait le job sur les passages chantés, même si je sais pas qui est l'adaptateur. Faut me le dire, je vais lui casser la gueule. Ouais. Changer des trucs pour rien, ça ne sert à rien. Je sais plus, il a changé des phrases dans les chansons qui ne servaient à rien au lieu de dire tenir, et il a dit il va mettre prendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois. Après ça, c'est aussi possible que ce soit pour des problèmes de droit. Ah, ils ont pas le droit parce de chanter. Parce qu'en fait, non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, les adaptateurs, leur travail, il est à la SACEM en fait. Et quand t'es adaptateur, en fait, t'es auteur, quoi. T'es considéré comme auteur. Merde. Et du coup, tes textes, il y a des droits d'auteur dessus. Ah bah c'est ça, je savais pas. Et en fait, ils ont changé plein de trucs. Ah bah c'est peut-être pour ça, parce que en vrai, les Disney. Ils sont très très très, pas mauvaise foi, mais ils aiment pas trop devoir des comptes aux gens avec qui ils ont bossé dans le passé. Tu l'avais déjà expliqué. Voilà, le truc Lucidolène, etc. Et tout, là. Mais même, tu vois, il y a des gens, tu vois, genre Patrick Poivet, etc. À chaque fois qu'ils me disent, Disney me doit de la thune depuis 10 ans, ils ne les ont jamais filés, ils me les fileront jamais, quoi. Merde. Ah mais ça tu peux attaquer ça quand même pour la thune. Bah le truc c'est qu'attaquer Disney tu vois. Ouais c'est vrai. Non mais par contre la VF de Aladdin. Et puis Lucidolène tu vois ça lui a pas réussi quoi. Parce qu'on l'a jeté de Blanche-Neige.
C'est ça, mais pas seulement de Blanche-Neige, du Livre de la Jungle, de La Belle et la Bête. Oui, quand elle essaie de se rebeller, mesquins, quoi. Tu l'avais expliqué. Ouais. Ouais. Non, la VF. Tellement de choses à dire sur Disney, mec, t'imagines pas. Fais une vidéo spéciale Disney, mec. Mais c'est prévu. Mais tu vois, Basile Détective Privé. Ouais. Tu l'as vu quand t'étais gamin, ouais, en cassette, ouais, comme ouais, tout le monde. Est-ce que tu te souviens du méchant qui dit à la gamine à la toute fin quand il la prend en otage sur le ballon, veux-tu bien t'asseoir et fermer ta grande gueule? Oui, j'ai vu, mais t'en as déjà parlé ça aussi, non? 5 ans plus tard, on va pas laisser grande gueule, c'est pas possible, attends, on va mettre autre chose, veux-tu bien t'asseoir avant que je me fâche? Ils ont mis ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et pareil, sur Pinocchio, t'as le gamin qui fume, ouais, qui à un moment balance, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Et ils l'ont redoublé, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Ouais, juste pour ça, quoi. Mais voilà, c'est ça. Les gamins ne sont pas capables d'entendre foutre ou faire. C'est ça. Aladdin, je finis sur Aladdin. Ouais, vas-y. Donc, chanson, bien malgré la traduction bizarre d'adaptation, ouais, chelou, de phrases qu'on change pour rien. La voix parlée d'Anthony Cavana sur Aladdin, mais qu'est-ce que c'est mauvais! Fallait appeler Greg Germain! Mais oui, déjà d'une, et surtout on sent qu'il joue, quoi! C'est horrible de sentir quelqu'un jouer! Mais je pense que le truc live ne l'aide pas. Mais parce oui, que je trouve que Cavana, il est très bon sur Vaiana, il ouais, est très bon sur La Princesse et la Grenouille. Mais là, non, là. Mais t'en avais déjà parlé, ça aussi, le live, il y en a qui arrivent pas. C'est ça! Ils arrivent sur le dessin. Mais animé, le live, de manière générale, je trouve que c'est pas fait pour le star talent, quoi. Et c'est pour ça que j'ai très peur des Roi futurs... Lion. Non, Roi Lion, ça va passer. Alors, le Roi Lion, c'est de l'animation. Quelque part, c'est aussi de l'animation. Tu sais qui c'est qui va être dessus ou pas? Je sais qu'il y a Agent Reno. Ouais, ça, on a vu, on a entendu, ouais. Sinon, je sais pas. J'ai très, très peur. Mais en fait, Disney, si tu veux, moi, je... Ces dernières années, ils ont vachement perdu en pif de Star Talent. Ouais. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais voilà, Le Monde de Nemo avec Dubos. C'était super bien. Bossu Notre-Dame avec Lalanne. Lalanne, génial. Voilà, ils sont allés, ils ont trouvé des trucs incroyables. Ouais. Là, je suis désolé. Mais là, je crois que tu le connais et que tu l'aimes bien, mais Jamel sur Toy Story 4. Non, je le connais pas. Non, tu le connais pas. Je le connais pas, mais je trouve Jamel ça horrible. Jamel sur Toy Story 4, c'est le cancer. En plus. Mais tu sais pourquoi ils ont fait ça? Bah, tu veux que je te dise? Moi, je sais que c'est parce que Jamel connaît quelqu'un de bah Disney, alors, avec qui ils sont potes. Alors ça, déjà c'est une des solutions. Et l'autre, malheureusement, c'est horrible de faire ça. C'est parce que c'est Key & Peele ouais, aux States. Et en France, ils sont dit l'équivalent de Key & Peele. Des gars un petit peu de la banlieue, ouais, des machins comme ça. C'est Jamel Mais non, c'est pas, je veux dire, si tu prends Gaston Bide, prends Mehdi Saoun avec, quoi. C'est ça, ouais, mais non. Mais pourquoi Jamel? Et puis, je veux dire, on a un petit peu discuté, mais tu vois, Jamel, on en parlait sur un live avec des gens. Jamel, ça parle pas du tout aux jeunes. Jamel, il a 50 balais. Non, mais ça marche plus, bien sûr que non, évidemment. Et on disait, si tu veux inviter un duo, tu vois, pour le côté duo, Key & Peele, t'invites un duo, t'invites le Palmacho. Exactement. T'invites McFly et Carlito, même, si tu veux exactement, parler aux très ouais, jeunes. Mais c'est comme, c'est un duo ethnique, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, avec Jamel, ils se sont dit, voilà, Gaston Bide et Malik, ouais, c'est vrai, voilà, ça l'aurait fait. Ça leur a fait mal. Mais après, mais même, Jamel, t'as trop bien résumé. Tu peux trouver d'autres duos, quoi. Mec, Jamel, t'as je sais pas, tout même résumé. Yacine et Dedo, je prends, tu vois. Bon, ouais, Dedo, voilà. Mais Yacine, tu prends ouais, Yacine, ça marche. Non, mais là, il y a un truc où t'as très bien résumé sur Jamel. C'est que quand il fait du doublage, c'est Jamel. C'est ça. Et c'est horrible. Et même dans la petite bande-annonce Toy Story 4, ça se voit gros comme une maison. C'est horrible. Il fait du Jamel. Tout va bien, c'est bon, on en a marre. C'est ça. On veut pas entendre ça sur un doublage. Surtout, le pire, selon moi, c'est que les erreurs qui faisait le ressort comique de Jamel, tu vois, dites-moi pas que c'est pas vrai. Ouais. Et ben c'est en train de rentrer dans le langage courant des adaptateurs. Je sais, je l'ai vu dans 2-3 fois. Ouais, je l'ai vu dans il y a eu Zootopie et voilà, même, il y a pas très longtemps, j'ai entendu et j'ai oublié de le noter, je m'en suis voulu, mais j'ai entendu sur une adaptation sérieuse de film sérieux un personnage dites-moi pas que c'est pas vrai. Non mais oui, je sais. Ouais. Mais putain, mais les gars. Non mais après ils ont raison les gens, Jamel dans n'importe quel film c'est Jamel. C'est ça. Donc ça nous dérange pas quand il fait numéro 10. J'ai pas vu... il fait numéro 10 c'est du génie parce c'est que c'est ce qu'on veut. J'ai pas vu Indigène, il paraît qu'il est bon dans Indigène. Ah ouais, il est magnifique dans Indigène, pardon, excusez-moi, voilà. Le seul qui est mauvais dans Indigène c'est Samina Seri. Il parle à un arabe. Faites des efforts quand vous apprenez l'arabe, les comédiens qui parlent arabe dans les films. Il parle un arabe dans Indigène, c'est horrible. C'est vraiment, c'est du phonétique qu'il fait. Ah ouais. Et sur un truc historique, c'est chiant. Non, dans Indigène, il est génial, Jamel. Merci, c'est le seul contre-exemple. Mm. Et Angela, peut-être, non? J'ai pas vu Angela. Mais je crois qu'il fait du Jamel dans Angela. Là. Mais c'est ce pourquoi on l'a engagé. Ouais, oui, mais non, mais dans Indigène, il est incroyable. Mais voilà, mais par exemple, dans Monstre Academy, j'étais emmerdé, quoi, parce que... Il y a qui dedans, déjà? Comment il s'appelle? Bentala, c'est ça?
Ah, Malik. Ouais, c'est ça, Malik Bentala qui fait un petit rôle. Et Jamel aussi. Mais tu vois, c'est gratuit, et puis en plus, Jamel fait du Jamel, quoi. Non mais ça c'est horrible, ça c'est... Je ne sais plus jouer, hein, ça y est. T'as tout perdu. On va pas se mentir, je suis concentré sur la discussion. Mais c'est pas grave. Et ouais, les deux films que je suis allé voir directement en VO, ouais. Et qui sont formidables. Merci de me relancer. C'est Bohemian Rhapsody. Ouais. Parce que fallait que je le voie en VO. Fallait que je le voie en VO. De manière générale, les films musicaux, faut les mater en VO. Ouais, c'est ça. Bohemian, et surtout historique, parce que je voulais savoir comment il l'a interprété. Et Bohemian Rhapsody caca, hein. Attention, c'est de la merde. Hein. C'est de la grosse merde. Rami Malek, pas du tout mérité. Enfin bref, c'est pourri. Par contre, The Rocketman. Ah, on m'a dit que c'était bien. Ouais. C'est pas bien, c'est un chef-d'œuvre. C'est une comédie musicale, c'est incroyable. Alors juste, il y a quelqu'un qui dit même Amadeus en VO, mais Amadeus c'est pas un film musical. Ouais, c'est pas un film musical. Avec de la musique. Là, on parle des acteurs qui chantent. La différence, c'est que Amadeus, on n'a jamais su comment il parlait, il y a pas d'enregistrement. C'est vrai. Donc voilà. Il y a pas de truc de mimétisme. C'est ça, alors que sur Elton John et Freddie Mercury. Je suis désolé, Luc Hamet, il a pas du tout la voix de Mozart, quoi. C'est j'ai déjà entendu chanter Mozart. Il y a Fantin. Salut mec. Ouais, je suis allé à un concert de Mozart, je suis désolé, il a pas du tout cette voix-là. Oui, voilà, c'est ça, on connaît pas sa voix. Mais non, mais par exemple, Rocketman, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Et la VO, voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait en VF, je sais pas qui double Taron Egerton. Ça parle de La La Land, mais La La Land, typiquement, c'est un film que je verrais pas en VF, malgré tout mon amour pour Elizabeth Ventura, qui est incroyable sur Emma Stone, quoi. Malgré mon amour pour je l'ai vu qu'en VO aussi. Le film, je l'ai vu en VO, quoi, parce que c'est un film où ça chante, quoi. C'est qui sur Ryan Gosling? Je me rappelle plus. En fait, les films de Ryan Gosling, je les ai majoritairement vus en VO. Donc... Excuse-moi, je réponds à ça vite fait. Rocketman, ça passe même si on n'aime pas Elton John. Mec, j'y suis allé, j'en avais rien à péter d'Elton John, à part pour le Roi Lion. À part pour le Roi Lion, je m'en foutais d'Elton John. Et je te jure, je suis sorti, j'ai regardé tous les reportages sur lui. Il est génial. Ouais, faut absolument voir ce film. Ce que j'aime le plus chez Elton John, c'est sa performance de Stan en live avec Eminem. Oui, putain, oui. Elle est tellement incroyable cette. Il faut voir ce film, sa vie, elle est incroyable. Mais oui, non, mais Elton John, clairement, c'est une personnalité. Alors, par contre, je suis tellement mauvais sur cette course. Par habitude, je vais te dire, on va être obligé de la refaire. Mais parce que dans Mario Kart 64, quand t'es 5ème, 6ème. Give up! Le jeu t'oblige à recommencer. Mais ouais, c'est vrai, on pourra toujours. Ouais, en vrai, la VF de Bohemian, elle est pas si mal que ça. Sur la VF de Bohemian, on est d'accord que c'est Bob l'éponge qui double Freddie Mercury. C'est Bastien Colin? C'est Bob l'éponge qui double Freddie Mercury, gardez juste ça en tête. Non mais avec ça, quand tu connais un petit peu le monde du doublage, tu peux y aller avec tout, tu vois, c'est genre, c'est Dr House qui fait Jafar. Non mais on le reconnaît pas en plus. C'est Son Goku qui fait Pipoudou. Je suis méchant parce qu'on reconnaît pas. Ouais, on le reconnaît pas. J'allais dire, si on le reconnaît, c'est qu'il y a un problème. Ah mais elle est horrible cette course. Elle est ignoble cette course. Allez, on remonte. Bon, j'irai voir Rocketman. Oui, il faut absolument le voir, c'est un chef-d'œuvre. Pour de vrai, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, ouais. Meilleur film que j'ai vu ces dernières années avec 90s. 90 de John Hill. Moi, je suis retourné voir La Cité de la Peur jeudi. Au cinéma. Au Lumière. Et en fait, la Cité de la Peur, c'était vachement bien de retourner voir au cinéma parce qu'il y avait des gamins. Qui connaissaient pas du tout, qui avaient entre 8 et 12 ans, tu vois. Génial. Alors, ils ont pas rigolé à toutes les blagues, tu vois. Genre la blague du mec qui dit loulou à la sortie de l'aéroport, tu vois. Personne peut la comprendre, tu vois. Mais franchement, ça me faisait plaisir de voir les gamins rigoler parce que souvent j'entends des oui, la cité de la peur, la classe américaine, etc. Les nouvelles générations, ça leur parle pas. Et ben, je vais te dire, j'étais dans cette salle de cinéma, j'ai vu des gamins de 10 ans rire sur. Il y en a qui disent loulou, point d'interrogation. Alors, loulou, c'était une pub à l'époque pour du parfum. C'est ça. Loulou de Cacharel et la pub, ça faisait loulou, loulou, loulou. Et au bout d'un moment, oui, c'est moi. C'est moi. Voilà. Et dans la cité de la peur, il y a un mec en sortie d'aéroport et qui a un panneau loulou. Qui toutes les deux minutes, loulou, oui. Loulou, et puis à un moment il y a une meuf, oui c'est moi. Voilà, des très bonnes vannes de publicité de l'époque, comme c'est quoi. C'est ça. La classe américaine c'est un peu long quand même, j'ai jamais vu vraiment ce truc. C'est un peu long, ça fait 1h10. Tu sais que j'ai jamais vu. T'as jamais vu la classe américaine? J'en ai entendu parler à chaque fois, la prochaine j'aime fois pas que les tu viens fils à Lyon, de pute. Pose-toi et viens, on se mate un Allez, film. On se mate... Pas en live, on coupe les trucs, on se mate juste la classe américaine. J'ai jamais vu, j'ai vu les doubleurs qui étaient dessus, qui étaient incroyables. Ouais. Et des abonnements immédiats. J'ai jamais vu, mais alors je sais que j'en entends parler, mais j'ai vu tous les extraits, j'ai de quoi en parler, mais j'ai jamais vu. Avec le fameux « j'aime pas les traîtres et les fils de pute » là, ouais, j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Avec Orson Welles. C'est ça.
mais il y a tellement de trucs. Il y a, Marc Casso qui est la voix de Dumbledore, la voix de l'oncle Ben dans Hobbit. Les premiers. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et de Winslow. Du père dans Steve Urkel, dans... Putain. Alors là... Du père Winslow dans Steve Urkel, voilà. Ça, c'est pas ma génération, j'allais dire. Dans la vie de famille. Ouais, la vie de famille. Il double Carl Winslow. Mais voilà, et tu l'entends dire... C'est non pas que c'est pas bien d'être raciste. Putain, faut que je le regarde. Enculé de ta race. Faut que je le regarde absolument. Ah non, mais c'est très très bon, la cité de la peur. La cité de la peur, c'est très bien, mais la classe américaine aussi. Et c'est quand t'es fan de doublage, c'est formidable. Ah mais il faut que je regarde. Voilà, 8ème, merci, au revoir. Est-ce que t'as déjà vu, je te propose qu'on s'arrête et vas-y, qu'on commence pas la course parce que c'est chiant. On en fait d'autres. Est-ce que t'as déjà vu ce film GoldenEye, on finit par GoldenEye, attends, on est obligé. Ah bah c'est le dernier jeu. Non, il est 20h, on a le temps, mais on fait du GoldenEye. Ouais, non, il faut qu'on fasse du GoldenEye, y'a pas de soucis. Tu veux qu'on fasse du GoldenEye maintenant? Comme on tu veux, se le garde pour la fin. Vas-y, on se garde pour la fin, t'as okay, raison, on clôture avec le lourd. Eh ben écoute, moi j'ai envie de te proposer, qu'est-ce que je vais te proposer? T'es fort en puzzle game ou pas du tout? C'est quoi que t'appelles les puzzle games? Les jeux Tetris, etc. Ouais, vas-y, on s'en fait. Eh ben écoute, moi je te propose un jeu qui est formidable, qui s'appelle Pokémon Puzzle League. Ah. C'est un jeu de Tetris, enfin c'est un jeu de puzzle game, c'est un de mes jeux préférés. Et ça se joue beaucoup en compète, blague à part. Je connais pas du tout ça, mec. Et qu'est-ce que je viens de voir, moi, sur Pokémon? Ah oui, la vidéo de Paul. Ah oui, je l'ai pas encore vu. Je l'ai vu, là, tout à l'heure, ce matin, avant de sortir, et j'ai vu, c'était génial. J'ai appris plein de trucs. Moi, la question que je voulais te poser, c'est, est-ce que t'as vu le film... Détective Pikachu? Non. Je l'ai vu en VF. Ouais, tu l'as vu en VF? Ouais. Ah, putain, mais... Magnifique VF. Pierre Tessier, je l'adore en magnifique, il est trop fort. Et ouais. Il faut pas le remplacer. Tu as Conquer Bad Fur Day? Ouais, je l'ai, ouais. Alors, stade de joueur... C'est dans un Conquer sur 64 où il y a le I'm the great mighty Pooh. Ouais, c'est le Conquer 64. C'est magnifique. Il est cool, détective, la VF aussi, oui. Ouais, la VF est très très bien. Mais j'ai participé à un podcast où on parle pas mal de la VF de Détective Pikachu. Normalement, ça sort dans les jours qui viennent. Choisis guest, t'en prends pas la tête. Mec, je connais absolument pas ce jeu. Eh ben, t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Tu vas voir, c'est très très simple. Tu me mets à niveau 1, hop. Facile, bien sûr. Bah ouais, on commence. Tranquille. Non, mais c'est quoi ce délire? Je vais le télécharger. Légalement, parce que je vais l'acheter en même temps. Eh ben écoute, tu prends un personnage, ça a pas beaucoup d'importance. Mais alors, le jeu a été intégralement doublé en français avec les voix du dessin animé. Non. Alors, voilà, le dessin animé, clairement, c'est pas ta génération, j'imagine. Mais t'as toutes les voix du dessin animé. Et les Pokémon. C'est un peu ma génération, hein, je regardais un petit peu à la fin. Ouais, tu regardais un petit peu sur la fin, ouais. Mais en gros, les Pokémon braillent leur nom. Pika Pika. Et voilà, t'as du Pika Pika. Moi, je vais prendre Koga. Il a un Pokémon, c'est Aeromite. Et quand il fait un combo, sa gueule. Je te jure que c'est hilarant. Je connaissais pas ce truc, c'est quoi ce délire? C'est vachement marrant, mais je vais t'expliquer. Choisis mon Pokémon, c'est ça? T'inquiète pas. Ouais, ça a pas grande importance encore. Excuse-moi, il a l'air d'avoir des Pokémon nuls, donc je vais prendre Sacha et la Tu vas prendre Pikachu. Voilà. Voilà, la base. Je connais pas ce jeu non plus. Ah, voilà, Pika. Ouais, alors je t'explique d'abord le jeu. En gros, t'as 4 ou 5 couleurs. Ouais, 5 couleurs. Le but, c'est de faire des trucs de 3. Tu inverses les blocs, tu vois. Ah oui, d'accord, je connais ce genre de blocs, ok. Et du coup, tu fais des tu envoies des trucs de 3. Enfin, tu fais des trucs de 3, ça disparaît. Okay. Le but du jeu, c'est de faire des combos de 4 pour envoyer des trucs sur l'adversaire comme je viens de le faire. Ou de faire des combos, ou de faire des trucs comme ça. Ok, vois. Très simple. Enfin, ça va, c'est pas. Ça va le faire, c'est très peu logique, mais on va essayer. Alors attention, c'est que en horizontal, hein. Tu peux pas inverser des blocs. Ouais. Mais c'est bien, ça rajoute un challenge. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Hop. Mais putain, j'adore les jeux doublés en VF sur 64. C'est rare, non? Ouais, c'est très rare parce que la N64, de par son format cartouche, pouvait pas accueillir des masses de voix. Mais là, c'est compressé au max. C'est et trop du coup, ça marche très très bien. Merde, je fais n'importe quoi, attention. Mais du coup, moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que t'as vu. Ah oui, mais attends, mais putain, c'est ma faute, je t'ai envoyé masse de trucs. Ah, tu m'as mis dans la merde, clairement. Non, je suis désolé, j'ai pas joué. Prenez-moi quand ça reparle doublage. Sympa. On va parler doublage, on fait que ça. Doublage. On fait que ça. Du coup, moi, je voulais te demander, est-ce que t'as vu ce film avec Michael Youn qui s'appelle Incontrôlable? Où il y a Médondo qui fait la voix, ouais, je l'avais vu à l'époque. Le film en lui-même est pas ouf. Ouais. Mais alors, quand t'achètes le coffret de DVD, t'as un bonus qui s'appelle Vivre, c'est mieux que mourir. Ouais. Où en gros, le film a été remonté et redoublé avec Patrick Poivet, Dorothée Gemma,
Qui double Michael Youn? Ouais, t'as Patrick Poivet qui double Michael Youn. Oh non. Et ils ont rechangé toute l'intrigue du film pour en faire un film d'espionnage. Mais non. Et c'est le truc, mais c'est giga débile. Tu sens le mec du DVD qui en a eu rien à foutre. Il a dit, vas-y, on m'a filé budget illimité, je fais ça. Putain, c'est trop bien, je connaissais pas cette anecdote. Et c'est un truc, ça dure 50 minutes, tu vois, personne connaît. Ouais. Mais c'est hilarant. En trop vrai, bien. C'est vraiment hilarant. Trop bien, c'est trouvable ça? Ouais, c'est trouvable. Bah déjà, tu peux acheter le DVD. Mais au pire, moi, je te filerai le fichier. Je l'ai mis dans mon, dans mon drive. Super. Je te le filerai. Vas-y, ouais, génial. C'est alors quoi, du coup, voilà, c'est quoi le film plus, qu'on aille voir qu'on aille voir waf. Non, il faut aller voir Rocketman, tout simplement. Ah ouais, c'est Rocketman. Ce mois-ci, il faut voir Rocketman. Donc du coup, voilà, essaye de faire des combos de 4. Ouais, j'essaye. Parce que quand tu fais des combos de 4, ça m'envoie des trucs dans la gueule comme je te les ai envoyés dans la gueule. Mais c'est un coup à prendre, hein, attention. Hein. Mais voilà, je vais jouer un peu moins... Un peu moins brusque. Ouais, c'est ça, parce que moi, je suis parti en mode, allez, c'est parti. Mais en fait, quand tu sais un petit peu jouer au jeu, en fait, t'envoies masse de trucs. Et du coup, comme à chaque fois que t'envoies un truc... Ça fait une attaque. Ça fait yes. un bruitage. C'est complètement délirant comme jeu parce que tu te retrouves avec les voix qui t'agressent, c'est ça. Il y a la voix de Sacha et tout. C'était en Belgique, Pokémon, non? Ouais, c'était fait en Belgique. Ouais. Mais là, tu vois, t'as un combo de 4 bleus que tu peux faire, là. Tu vois, juste en dessous. T'as ton bleu. Merde, je sais pas. C'est vrai, je suis perdu. Merde, non. Non mais je vais être... Regarde, un moment, je vais avoir de la logique. Pourquoi il y a des Pokéballs? Alors les Pokéballs, c'est pour envoyer des combos spéciaux. Ok. Mais ça marche de la même manière. Tu fais un combo de 3, un combo de 4, etc. Mais quand tu fais 3 Pokéballs, ça t'envoie un truc. Enfin, ça envoie un truc sur l'adversaire. Génial ce genre de live. Merci, ça fait plaisir parce que nous, on s'en rend pas compte. On est en train de jouer, on est dans le truc. Mais tu vois, essaie de faire un combo. Là, tu peux faire un combo de 4 verres, regarde. Un coup au-dessus. Non, là, tu vas mec, un combo de 3. Mec, alors je vais te dire un truc sur moi. Ouais. Je suis tout sauf logique. Je n'ai aucune logique. Je suis intelligent. Je t'ai lancé sur un puzzle game, c'était la mec, pire idée. Je suis cultivé, je suis intelligent, y'a pas de problème, mais la logique, j'en ai aucune. Et ça, depuis le collège. J'ai aucune logique, je n'y arrive pas. Alors attention, là tu vois tout en haut, ça s'apprête à toucher le bas. Ouais, faut que je fasse gaffe. Il suffit de faire un coup sur le bas, tu vois, hop, et ça tombe. Ok, super. Là, tu sais que j'ai une psy, elle m'avait dit que j'ai un problème depuis l'enfance sur la logique. Donc les puzzle games, voilà. Par contre, il y a des jeux où j'étais fort à l'époque. Mec, j'ai un jeu, ça s'appelle Britney Spears sur PlayStation. J'étais imbattable. Le jeu Britney Spears, c'était un jeu de danse, j'étais imbattable. Ouais, mais est-ce que tu pouvais frimer auprès des copains en mode, non. Moi je suis fort à Britney Spears. Ah non, je cachais de ouf. Je m'étais embrouillé avec un pote tellement j'étais fort à ce jeu. J'imagine bien les soirées, ça te dit on se fait un FIFA. Vous voulez pas faire un Britney Spears plutôt? Mec, à chaque fois c'est ça. Putain, moi je prépare ma prochaine vidéo là. Ouais. Et je vais faire. Mais tu t'es bien relancé niveau vidéo là. Ouais, ça y est, je recommence là. Parce que le court-métrage m'avait pris du temps, la BD aussi, et là je recommence à fond là. Et là je vais faire les années 90-2. Avec. Comme du coup, mes vidéos elles sont presque plus monétisées. Je fais de la pub devant, ça y est, j'ai trouvé des sponsors. Ouais. Donc c'est cool. NordVPN. Non, pas NordVPN. Non, des jeux mobiles. Donc moi, peu importe, je le fais. Hein. Parce que j'ai envie de gagner ma vie, parce que je gagne plus ma vie du coup à cause de ces conneries. Et moi, c'est le truc que j'aimerais bien trouver, hein, des sponsors. Mais comment il fait, Victor? Parce que lui, il est pas non plus chez. Ben, je sais pas. Il faut lui demander, il est sur le chat. Non, il est parti, je pense, depuis tout à l'heure. Mais... Ah oui, merde. Non, ouais. C'est compliqué de trouver des. J'ai la vidéo et j'ai surtout Robocop. Je vais essayer, je vais faire Robocop là. Robocop, j'ai une exclu si vous voulez. J'ai du Robocop partout. J'ai du Robocop et je vais faire Robocop et j'aimerais bien trouver la voix qui fait la voix de l'OCP au début. Mais c'était pas piraté justement. Ah merde, bah non, là c'est rapé là. Ouais. Du coup, c'est piraté. L'affaire Rock, sérieux, il est sorti ce film. Quoi, l'affaire quoi? Au début de l'an 2000, l'affaire Rock Thériault est sorti. Ce film, j'ai jamais été capable de le voir en entier à cause du doublage exécrable. Pourrais-tu analyser ce film pour moi dans un panneau de doublage? Alors, très sincèrement, hein, pour être très honnête, je prends pas de commande. Je prends pas de commande de sujet, on va dire. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me disent, tu pourrais parler de ci, tu pourrais parler de ça. T'as raison, mais en fait, j'ai déjà ma propre liste de sujets, tu vois. Et en plus, pour parler d'un sujet, il faut que je le connaisse déjà un petit peu. Ouais, normal. Il faut que ce soit un film que j'aime aussi, tu vois. Oui, je peux pas parler d'un film que j'aime pas, tu vois. Et tu vois, typiquement, on me demande de parler de Ken le survivant, etc. C'est pas ma génération. Déjà, il y a énormément de choses qui ont déjà c'est été c'est même pas dites. Ma génération à moi, t'imagines. Et en plus de ça, Ken le survivant, il faudrait que je me tape la série. J'ai pas envie de me ouais, taper la série. Ouais, t'as raison. Mec, exclu total, je te le montre et je vous le montre un peu. C'est Robocop. Le costume est pas fini. Bah oui, évidemment. Alors je vous le montre en exclu total, le costume n'est pas fini. J'espère avoir un petit peu de luminosité pour voir ça.
Attention, ah, je vais me rapprocher. Oui. Ah yes, ça marche. Ça marche. C'est parti, exclu total. Et c'est une exclue totale. Je l'avais montré à personne. Tu te rends compte que le replay va être dispo, donc ouais, c'est pas grave. C'est l'exclu pour ceux qui regardent ces vidéos là, voilà. Eh ben écoutez, voilà. Faut... de toute manière, je vais te dire, ça va être publié les live N64, je les publie sur ma chaîne secondaire. Eh ben voilà. Ça fait jamais plus de 300 vues. Ouais, mais moi je vais partager, moi, tu sais. J'ai pas connu Quête de Survivants, j'étais trop jeune. C'est pas mon époque. Paul Verhoeven en sueur. En fait, on a trouvé un concept génial. Ouais. Tu connais ce truc du grand remplacement, ce truc d'extrême ouais, droite? Ah oui, bien sûr. Et ben en fait, on a comme ce truc n'existe pas, c'est totalement un fantasme raciste de ouf. Évidemment. On s'est dit, bah tiens, on va le faire exister ce grand remplacement. Et en fait, Robocop. Non, Robocop, c'est un agent du grand remplacement. L'OCP, c'est une agence de grand remplacement. Donc vous allez voir, voilà l'idée qu'on a eue. On a écrit ça et j'ai très hâte de le tourner. Voilà. Est-ce que tu regardes les vidéos d'Uzul? Non. Uzul, il a fait sur ses premiers trucs, il a fait un truc, mais depuis quelques années, il fait un truc avec Mediapart. Et sur les premiers épisodes, il faisait une petite partie fiction. Ouais. Et à un moment, il y avait un sujet sur l'islamophobie en France. Avec le grand remplacement. Et en fait, il avait fait un truc où il s'était fait grand remplacer. Et du coup, c'était une chroniqueuse arabe qui animait les. Je te jure, c'est exactement ça. C'est, le principe de Robocop, vous allez voir, c'est de grand remplacer les gens. C'est ça. Donc, je vais chez les gens et je vais les grand remplacer en Robocop. Et vous allez voir, il y a une petite astuce. Bah, je dis pas tout, hein. Là, j'en ai dit beaucoup déjà. Tu veux qu'on change de jeu peut-être? Ouais, vas-y, parce que je vais galérer. Puzzle game, c'est pas ton. Je vais galérer. Après, voilà. Tetris, vas-y. Ah, bah, j'ai un Tetris si je préfère. Hein. Je suis plus facile, c'est plus facile pour moi, Tetris. J'ai un Tetris avec Mickey. Mais il est pas doublé en français celui-là. Défi au Tetris magique. Mickey et Tetris. Ouais. C'est Capcom qui faisait ça à l'époque. Ah, attends. Ah oui, c'est vrai, ça se joue à la croix. Alors attention, faut changer de manière de tenir la manette. Vas-y. Je mange avec mon prof de boxe après, donc il va me casser la gueule. si je réponds pas. Merde. Je mets une option sur Dingo, ça t'embête pas? Non, vas-y. Le pire, c'est que de remplacer des centres de le vocabulaire commun, j'ai déjà entendu. Alors attention. Tu regardes les vidéos de Karim, Donald Chroma? Oui, j'adore Karim Debache. Eh ben... Pourquoi il est où, mec? Putain, il est où, ce mec? il écrit pour JDG maintenant. Ouais, mais pourquoi il fait pas de vidéos de lui maintenant? Bah, je sais pas, pose-lui la question. Mais j'ai déjà essayé sur Twitter, il répond pas. Mais le truc. Ouais, on se met en normal. Le truc, c'est que. À un moment, je sais pas si tu te souviens, dans Chroma, il y a cette intrigue avec les films qui se font remplacer par des films moins bons. Ouais. Il y a cette espèce de petit truc. Et moi, je tenais un blog sur Chroma où j'avais donné un nom temporaire, tu vois. Et je disais, ça s'appelle la grande substitution. Ouais. Parce que je disais, le grand remplacement, c'est connoté. Je peux pas appeler ça le grand remplacement. Et en fait, dans un épisode suivant, je me suis rendu compte que Karim et moi, on avait eu la même idée. Parce qu'il a appelé son truc la grande substitution. D'accord. Et il a écrit sur le panneau en Velleda, grand remplacement trop connoté. Putain, mais moi j'adore ces vidéos. En fait, j'ai découvert un jour, parce que les gens arrêtaient pas de me dire si t'aimes les vidéos sur le cinéma, va voir Karim Debache. Ouais, et je me suis tout tapé d'un coup. Oh, c'était incroyable. Karim Debache a supprimé Twitter. Il a raison. C'est de la merde. Il a supprimé son Twitter. Oh là là. Tous ces gens il a raison, Twitter. Il a raison. Mais c'est parce qu'il supporte pas la contradiction. C'est mais non, ça. C'est pas de la contradiction, c'est de la haine. Moi, la contradiction, je l'ai sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires. Mais sur Twitter, c'est de la haine qui appelle au retweet et donc à la plus de haine encore. C'est génial ce Tetris Dingo là. En gros, quand on voit des gros trucs à l'adversaire, il se récupère des pièces cheloues, tu vois. Ok. Là, que tu peux pas placer. Genre, tu vois, regarde ce que j'ai là. Ah oui, d'accord, merde. Ah, c'est génial. Mais c'est très rigolo. Les gens qui lui demandent quand est-ce que tu fais une vidéo. Ouais, c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils se mettent à écrire. Mais ils habitent à côté, c'est ça, avec le JDG? Bah, je crois qu'à peu près tout le monde habite à Fougères, là, aujourd'hui, donc... C'est quoi? C'est la ville de... Oh, putain, mais regarde ce que tu m'envoies. Ouais, mec, regarde ce que tu m'envoies. Je suis un peu plus... Oh, ouais, d'accord, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Bah, voilà, mais c'est... Mec, il m'envoie un immeuble. Mais voilà, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Le mec, il m'a envoyé un immeuble. Ouais, ils habitent tous dans le même coin, c'est ça? Ouais, ils habitent tous à Fougères.
Non, pour revenir un peu sur le doublage. Mais de toute manière, le joueur du grenier, je sais pas si t'as appris ça, c'est pas le vrai joueur du grenier, c'est un clone. Oui, oui, il a été cloné. le gros, il est plus là, c'est celui ça. Qui était là avant. C'est ça. Tu sais que je les ai rencontrés dans un salon et je suis allé les voir, ils étaient hyper sympas. Mais oui, mais ils sont. J'adore super ces sympas. Mecs. Mais tu vois, il y a. Mais je l'ai dit plusieurs fois sur le live. Moi, je suis en train de préparer une vidéo avec JDG. Ah, génial. Parce que c'est un des seuls mecs que j'ai pu voir, que j'ai pu croiser sur Internet. C'est un des seuls mecs que j'ai pu croiser qui aime pas la VF d'Excel Saga. Ah. Et du coup, je me suis dit, mais c'est super intéressant d'avoir un contradicteur, tu vois. J'avais déjà fait ça. Trop bien. J'avais déjà fait ça sur Samurai Champloo, qui est un animé que j'adore. Et je l'avais fait avec Azmar, qui est un des modérateurs. Je sais pas s'il est encore sur le chat. Ouais. Et c'était vachement intéressant parce que j'avais un point de vue contradictoire. Et du coup, on pouvait avoir un débat. Pourquoi t'aimes pas la VF? Pourquoi t'aimes la VF? Parce que la VF, c'est subjectif, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, je pense que ça va être intéressant, quoi. C'est génial de faire une vidéo avec lui, ouais, trop bien. Moi je les ai rencontrés et puis tu sais, à cause de Twitter encore une fois, tu peux avoir, tu te dis putain, ça, il y a plein de gens qui disent qu'il est très de droite et tout, etc. Ouais. Alors c'est complètement fou quoi, c'est il en joue hein, d'ailleurs. Oui hein, bah oui, de ouf. Il en joue de ouf, hein, il a raison, parce que c'est vraiment ridicule quoi, à cause de Twitter tout ça. Excel Saga, je n'ai jamais regardé ça. Alors Excel Saga c'est très très perché. C'est hyper perché. C'est un animé, c'est ça? Ouais, c'est un animé, tu connais un peu Pascal Chemin? Non. Ah c'est une super comédienne. Qui a fait qui? Peut-être que je la connais par rapport à... T'as joué à Mass Effect? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait Pascal Chemin? En live? En live... Ah si, c'est la voix de Rose Byrne dans Nos Pires Voisins, tu sais, avec Seth Rogen. Ah putain, ça aussi j'ai pas. Ah putain, merde. Bah tu... Je l'ai déjà vu une fois, mais c'est pas... Mais voilà, du coup, Pascal Chemin, c'est une super, super comédienne. Et elle joue un personnage totalement hystérique, en fait. Ouais. Et du coup, elle parle super vite, etc. Et l'animé en lui-même est super génial parce qu'en gros c'est une parodie. Chaque épisode est une parodie d'un nouveau genre. Ah, c'est fait. Pas sérieux. C'est ça. Ah non, c'est un animé comique. Et ah, du coup, d'accord. Tu vas avoir un épisode parodie de Ken le Survivant, tu vas avoir un épisode parodie de... Dragon Ball de... Non, pas Dragon Ball, mais les animés sportifs, genre Olivier Tom, etc. Ah, j'en ai en gros, à un moment, ils font du bowling et t'as Excel, elle va être en mode « Oh, j'arriverai jamais à le battre » et puis elle suit un entraînement intensif, ouais. à la Olivier Tom et puis à la fin, elle s'en sort, tu vois. Oh et, merde Ah, merde. Mais en même temps, voilà, tu m'as envoyé, et le mec il m'a envoyé un quartier entier. De plus en plus de gens parlent de Twitter. Je les comprends totalement, c'est ultra chronophage et mauvais pour la santé mentale. Et c'est vrai, tu devenais fou pour rien. C'est ça, tu sais que moi je suis devenu, il y a une période, j'étais vraiment agressif. Ouais. Et le jour où j'ai coupé Twitter pendant quelques jours, d'un seul coup je suis allé beaucoup mieux. Mec, ça fait deux semaines là que j'ai arrêté Twitter, je me sens carrément mieux et plus créatif. J'ai balancé plein de vidéos sur Insta et tout. Je vous jure que c'était à cause de Twitter que je mettais pas parce que j'avais peur de me faire tailler. Mais j'en ai plus rien à foutre, je vais faire comme avant, sans Twitter, ça va être magnifique. Je penserai pas de temps dessus, je vois trop de haine et tout. Ouais, à chaque fois que tu mets un truc, il y a de la haine. Tu as une très bonne vidéo de JDG parlant de Excel Mais Saga. Justement, en fait, on va faire une vidéo ensemble suite à cette vidéo parce que JDG a parlé d'Excel Saga, il a expliqué un petit peu c'était quoi l'animé. C'est sur sa chaîne secondaire. Je vais regarder. Et du coup, j'espère que ça te donnera envie. J'ai un abonné, je connais pas Excel Saga et je vais regarder. Excel Saga. Twitter me sert pour retweet les concours. Et bah, moi pareil, ça va me servir pour retweet les partenariats. Ah, attends, je lance. C'est parti, Donald. C'est parti, Donald. Tu sais qu'il y a une VF que j'adore. Ouais. Pas qu'une, j'imagine. Non, bah, déjà, toutes les VF des années 90, déjà, moi, c'est. C'est très fort pour moi. Pourtant, il y a eu des VF moisies dans les années 80. Mais alors lesquels? Alors bah par exemple... Par exemple, moi j'ai un film direct ou DVD de merde, ouais. Et sa VF est parfaite en fait. La loi du plus fort avec Marc Dacascos, sur le film sur la capoeira. Je croyais que t'allais encore parler des princes de la vie. Non, mais ça oui, ça c'est la VF parfaite. Ça, la loi du plus fort, Only the Strong, incroyable VF. Avec Michel Vignier, avec tout le monde dedans. Ben, par exemple, tu vois, je déteste... Alors, c'est les années 80, c'est pas les années 90, mais la VF de Shining, elle est nulle à chier. Ah oui, t'en avais parlé. Mais horrible, ouais. Jean-Louis Trintignant sur Jack Nicholson. À quel moment quelqu'un s'est dit c'est une bonne idée? C'est l'époque où Arditi faisait Superman. Mais Arditi en Superman, je le trouve bon, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais il est très bon en doublage, il adore faire ça en plus. Hein. Mais par exemple, tu vois, il y a un film que j'aime bien, des Wachowski. Attends, deux secondes. Ouais. Twitter, à partir du moment où tu le prends comme une cour de récré, tout de suite ça passe mieux. Sauf que moi, à la cour de récré, quand je m'embrouillais, je les tapais les gens. Ouais, c'est ça, ça marche plus. Tout à l'heure. ce Twitter de merde, tant mieux. Mais ouais, il y a un film des Wachowski que j'aime beaucoup qui s'appelle Bound, c'est leur premier film. Et j'ai commencé en VF, et je te jure, j'ai commencé en VF et je me suis dit,
Ça sent mauvais. Je vais passer en VO quand même. Ouais. Et la VO est vachement mieux. Mec, je viens de regarder hier la trilogie de vidéos de Durandal sur les Wachowski. Ouais. C'était génial. C'était génialissime. Je sais pas si vous connaissez Durandal. Il y a des embrouilles avec ou pas, je veux. Il est un peu antipathique des fois. Alors, je suis d'accord qu'il est antipathique. Je vais te dire un truc qui va peut-être te faire relativiser. Il a fait une vidéo qui s'appelle la VF versus la VO. Ouais. Il explique que la VF c'est une honte, que c'est un cataclysme. Ça m'étonne pas. Que c'est chier sur le travail ça du réalisateur. Ça m'étonne pas. Que c'est repeindre par-dessus la Joconde. Ça m'étonne pas du tout parce que même moi, alors je regarde ses vidéos, mais il m'est antipathique de ouf. Mais ça m'empêche pas de kiffer son travail. Hein. Je kiffe ce qu'il fait, je kiffe ce qu'il fait, mais j'aime pas trop le gars. Mais c'est pas grave parce qu'il est très intéressant dans ce qu'il fait, et il travaille beaucoup. Les combattants de la VO, de la VF, on les connaît, c'est pas grave. on les a identifiés, nous on adore. Bah, si tu veux une anecdote rigolote, à l'époque où il était pas encore trop connu. Ouais. Moi j'ai fait une. Oh, on va changer de jeu. Ouais, allez, on passe sur autre chose. J'ai fait une. Il a fait sa vidéo la VF versus la VO. Ouais. Et il disait pas mal de mauvais, enfin il disait pas mal de trucs faux, tu vois. Ouais. Il se renseigne et il travaille. Ben là, il avait visiblement. Mais sur la VF, après les gens comme tu sais sur la VF quand ils veulent pas, ils veulent pas. Mais il balançait des trucs horribles, etc. Et moi, en fait, à l'époque, il avait une wishlist Amazon. Ouais. Et quand tu connais un peu Amazon, tu peux balancer grâce à la wishlist des cadeaux que le mec a pas du tout demandé. Ouais. Et en fait, je lui ai envoyé un bouquin sur le doublage. Ouais. En lui disant, je crois pas que j'avais mis de message, mais en gros, le message c'était tu en sauras plus, et peut-être tu éviteras de dire des imbécilités, tu vois. Et il l'a super mal pris. Et dans la vidéo, il disait, j'apprécie le cadeau, mais c'est un cadeau de bâtard, parce qu'en gros, que tu dis que ma vidéo c'est un ramassis de conneries. Non, mais moi j'adore son travail, mais je comprends, je conçois que les gens le trouvent antipathique. Parce que même moi, des fois, je me dis, oh putain, c'est un petit bâtard en fait. Mais j'aime bien son travail. C'est-à-dire que là, hier, j'ai regardé les 3 vidéos sur les Wachowski qu'il a fait. C'est passionnant. Bah, il chie sur la VF à un moment quand même. Oui, mais toujours. Je le sais, quand je l'entends, j'écoute pas ça, je m'en fous. Parce que la VF de Matrix, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Jean-Pierre Michel. Totalement, il est parfait sur Kenny Reeves. Il est parfait. Franchement, le jour où je fais un projet, tu vois, genre toi, tu vois, t'as fait le fantôme, t'as invité Brigitte, t'as fait t'as invité Luciani et Noël. Et attends, et dans Pablo Escobar, j'ai pris Michel Vigneux. Ah oui, c'est vrai, putain. Eh ben, franchement, moi, le jour où j'ai un projet comme ça, j'appelle Jean-Pierre Michel. Ouais. Parce qu'en plus, c'est un mec de la comédie française. Ouais. Je sais que, tu vois, il va poser ses testicules. Première prise sera la bonne. Sur Brad Pitt aussi. Tu l'as vu sur Snatch? Oui. Snatch, il est incroyable, Jean-Pierre Snatch, Michel. En plus, vraiment, c'est super dur à doubler. Garbage, comme ça tout le long. Je suis bien d'accord, Durandal est bien en tant qu'avis extérieur. Ouais, mais. Star Wars. Ah, mais voilà, Durandal. Ça, peut-être t'es pas au courant, Durandal. Je commence à regarder ses vidéos. Il a fait de la saga MP3. Ah ouais? Et c'est un grand créateur de saga MP3. Et il a fait plein de super trucs. Et Star Wars, c'est une parodie Star Wars. Et vraiment, pour moi, tu vois, Durandal, je suis pas un gros fan. Ouais. Mais j'adore ses sagas MP3. Il a fait des parodies de Metal Gear Solid. Je viens de découvrir, moi. Enfin, je le connais depuis longtemps. Et ben franchement. Je regardais pas parce qu'il était antipathique. Et j'ai commencé à regarder ses vidéos, je fais, il est antipathique, mais intéressant. Écoute Star Wars. Okay. Écoute Star Wars. Star Wars, c'est vachement bien. Okay. Franchement. C'est en plus. J'attends que tu invites Guy Chapelier. Si tu arrives, je vais me faire dessus. Moi, j'ai essayé de l'inviter. Il m'a dit, va te faire enculer. C'est vrai. Voilà, ça y est, ah, je suis calme. Merde. J'en ai rien à foutre, je balance. Là, il m'a pas dit, va te faire enculer. Il m'a dit, non, désolé, je suis occupé. Bah, ça, encore, des fois, c'est vrai, tu vois. Bah, oui, c'est vrai, mais. Les comédiens sont déjà occupés. Le projet était un petit peu engagé, donc ça. Non, il a dit, c'est pas vers quoi je veux aller. Moi, je vais te dire, ça fait un an et demi qu'on veut faire un projet. Je crois que je t'en ai parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Je suis en train de bosser sur un projet de cinéma à Paris. Ouais. On veut projeter, je veux faire de temps en temps des séances VF en gros. C'est où on diffuse des films en VF. Putain, je serais là, et mec. On invite les comédiens. Oh là là. Donc ça fait un moment qu'on bosse là-dessus. Je cours. Et en première séance, on a très envie de faire South Park le film en invitant William Corey, Thierry Vermuth et Christophe Lemoyne. Oh putain, mais je suis là au premier rang, mec. Mais oui, et je sais, et on sait que ça ramènerait du monde. Ouais. On le sait, tu vois. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais un moment où les trois sont dispo, tu vois. Ah, là, on voulait faire le truc en avril, on avait le Max Linder qui nous a dit d'accord. On avait Vermuth et Corinne qui étaient dispo, etc. Oh là là. Mais Lemoyne, il est en plein milieu d'une tournée théâtrale. Donc, pas de bol.
Mais voilà, mais c'est une bête d'idée, mec. Mais voilà, mais quelle on a idée. Très envie de le faire. On veut projeter, on veut projeter The Mask et inviter Emmanuel Curtil. Oh, on veut projeter The Dark Knight et inviter mec, Valmont et Ronchetti. Je serai là à chaque soirée. Mais voilà, on a envie de faire ce mais truc. Si je peux vous aider, vous dites, hein, si je peux appuyer sur quelque chose. Eh ben écoute, je te tiendrai au courant. Moi, tu sais comment je fais pour savoir quel comédien de doublage je peux appeler ou pas? J'appelle Brigitte. Je dis, Brigitte, lui, il est comment, lui, tu penses que je peux y aller et tout, enfin, ou lui, il est là, et elle me dit tout. Brigitte, je l'aime, elle me dit tout, Brigitte. Alors, je coupe juste le micro 2 minutes. Et là, j'ai assassiné l'homme. Voilà, c'est par ça. Par terre, je lui ai mis des coups de couteau. Ah merde ! Bien sûr. Allez. Et c'est là que tu t'es rendu compte que c'était ton père. Voilà. Ah putain, mais voilà, mais ça, c'est le genre de truc qui t'arrive tous les jours à Lyon, tu vois. Oh putain, non mais c'était pas ouf ce qu'on s'est dit. Non, c'était pas ouf. Moi, je m'attendais à un truc de ouf. Non, mais je pensais qu'il allait balancer sur quelqu'un. Non, il est trop gentil. Comme pour l'instant, c'est pas sûr. Je préfère couper le micro plutôt que... Il me parlait d'un projet, il a balancé sur personne. Sur un projet. Il a balancé sur personne. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas puté sur Durendal. Mais t'as raison, c'est un enculé. Durendal, non mais Durendal, je peux puter dessus en live quoi. Non, parce mais que non, mais... c'est un mec qui méprise la VF comme rarement on peut mépriser la VF. Mais ça m'étonne pas de lui moi. Moi je regarde parce que son travail est bien, pas parce que j'aime le gars. Hein. Des fois faut dissocier en vrai. Sur internet on a du mal parce qu'on est très binaire. Des fois faut dissocier. Il y a des gens qu'on aime bien. Parce que leur personnalité nous plaît et leur travail nous plaît. Il y a des gens qu'on aime bien parce que juste leur travail nous plaît. Et ça arrive souvent. Je sais pas toi, mais moi, il y a des gens que j'apprécie énormément et que j'aime pas du tout leur travail. C'est ça. Pareil, grave. C'est exactement pareil. Ça arrive, c'est pas grave. Il faut dissocier. Avec Twitter, malheureusement, c'est binaire. Soit je t'aime bien partout, mais soit parce je t'aime pas. Parce qu'il y a que 280 caractères. Donc tu peux pas dire j'aime ci, j'aime ça, voilà. j'aime moins. Et dire bah c'est de la merde, ouais. Donc c'est bien. Voilà, donc. Vas-y. Alors qu'est-ce qu'on fait comme jeu? Alors à quoi qu'on joue comme jeu? Alors Smash Bros, je suis nul à chier et j'aime pas trop ça. Non, mais en plus le Smash Bros 64 est vraiment nul à chier. Bon bah ça on le met de côté. Diddy Kong Racing, tu voulais faire? Allez, oui. Eh ben allez, Diddy Kong Racing. J'ai du F-Zero aussi si tu veux. Ou du Star Wars. Je suis plus Diddy Kong. Eh ben go Diddy Kong. Hop. Comment dire à quelqu'un qu'on aime que son travail c'est de la merde sans blesser? Bah moi j'ai déjà dit hein. J'ai dit ouais mec, je regarde pas trop ce que tu fais. Mais après le problème c'est que la personne peut te détester un peu après. Oui bah oui, c'est une soucis. C'est qu'après ils se disent ah c'est un bâtard en fait. On peut faire des thrills, c'est vrai qu'on peut faire des thrills. The thrill. Vous savez comment je prononce bien? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Poser des questions, je suis là tout seul entre nous. On est entre nous là. Sinon je suis sur mon portable. Tu peux juste dire que c'est pas ton goût sans dire que c'est de la merde, exact. J'aime pas trop ce que tu fais, bah ok, voilà, c'est ça. GG, ta dernière grosse vidéo, merci. Ta console préférée, John? Dreamcast et Gamecube. Et 64, putain, j'en ai 3. Mr. Fox te retient-il contre ton gré en vérité? Non, j'adore venir ici. J'adore venir et puis je kiffe son travail et je kiffe le gars. T'en penses quoi de Benzaï, Rachid? Je regarde pas, j'ai jamais regardé. Est-ce qu'il y a des trucs à regarder de Benzaï qui sont cool? Parce que je sais juste que c'est le sosie de Hugo. Il y a des trucs cool à regarder, il fait pas trop chaud avec ce projecteur, non ça va? Non parce que j'ai mis la clim à un moment là, il faisait trop froid donc j'ai coupé mais je peux la rallumer. J'adore What the Cut mais j'aime pas Antoine Daniel. Bah pareil. Mais sauf que j'aime pas What the Cut, parce que j'ai jamais regardé non plus. Et que je me suis déjà embrouillé en privé avec Antoine Daniel. Mais pourtant on se suit, hein. C'est chelou. Il parle parfois de films avec des jeux vidéo, la culture en geek en général. Ouais, je connais pas Benzaï, moi. Ah, Benzaï, c'est vachement bien. D'ailleurs, il paraît que j'y ressemble. Ouais, c'est son sosie, ça, c'est tout ce que je sais. Mais ça, c'est horrible. Mais je sais pas quelle vidéo est intéressante à regarder. Tu vois, tu parlais de Twitter. Pourquoi t'as le coq? Parce qu'on le débloque quand on réussit certains trucs. Quand on est doué, tu vois, Non, j'avais débloqué à l'époque, pas maintenant. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, par rapport à Twitter, tu vois.
Moi, des fois, il y a des gens, ils viennent me tweeter en me mentionnant, tu vois. Ouais. Tu ressembles à Benzaï. C'est tout. Point. Pas de j'aime bien ton travail, pas de rien du tout. Juste, putain, tu ressembles à Benzaï. Ouais. Et ben, moi, ça me rend agressif, tu vois. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute ou. Ouais, oh, super, on me l'a jamais fait. On t'a dit trop. Et je réponds de manière agressive, tu vois. Mais malheureusement, nous, on répond de manière agressive. C'est juste Twitter. Le truc, c'est que. Ouais, déjà, c'est mauvais pour la santé, Twitter. Mais nous, on répond de manière agressive parce que. On le mange tous les jours. C'est ça. Sauf que eux, c'est la première fois qu'ils le font. C'est ça, ils se rendent pas compte. On se rend pas compte. On se rend pas compte, tu vois. Bah quoi, ça va, pas la peine de mal le prendre. Les mecs, ils savent pas que j'ai 80. Mec, à un moment, il y avait un terroriste. Je te jure, un terroriste, je sais plus comment il s'appelle. Je le dis pas pour que vous alliez voir. Et il me ressemblait. Et j'ai reçu toute la journée, et c'était un putain de terroriste, je crois que c'est Bataclan et tout. Hein. Ah merde. Et toute la journée, genre, si tu le ressembles, j'en avais marre. Je fais putain, vous êtes con quoi, à quel moment ça me fait plaisir de ressembler à un terroriste? Mais moi, le pire, c'est que tu vois, j'adore Benzaï. Ouais. On a déjà eu l'occasion de bosser ensemble. C'est un mec super sympa, j'adore ses vidéos, j'adore le mec, y'a pas de soucis. Mais juste, faut arrêter de m'envoyer dès que tu ressembles à Benzaï, point quoi. Mais les gens se rendent pas compte que c'est pas la première fois qu'on nous le dit quoi. Là, c'est chiant, quoi. Et puis ça n'a aucun intérêt quoi, c'est genre quel intérêt de dire ça quoi. Moi je me rappelle d'un live où on parlait par Twitter, tu étais très gentil. Mais la plupart du temps je suis gentil moi, je sais pas si ça s'adresse à moi mais. Alors vas-y Didi Kong, moi j'ai pris. Tu ressembles même pas à Benzaï. Si, il se ressemble un peu quand même. On va pas se mentir. Mais en fait le problème c'est qu'on a tous les deux le front large. Lunettes, barbe. Et des lunettes et une moustache. Ouais. C'est ça le souci. Moustache, barbe qui ne se rejoignent pas pour former un bout. Donc c'est. C'est le pire truc. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait les premiers Vas-y. Hein. Tranquille. J'ai failli douter que tu ressembles à Benzaï, puis j'ai réfléchi que tu avais déjà dû entendre ça. Merci. Eh ben merci, Anto the Kid, parce que le risque, à un moment, tu vois, ça m'avait tellement énervé, j'ai bloqué toutes les personnes qui disent Benzaï. Je connais ce délire. Vous pensez quoi du dernier album de Rammstein? Mais j'écoute pas Rammstein moi. Oh, bah pourquoi? Bah parce que j'écoute pas de musique comme ça. Alors, je suis très fermé là-dessus, je suis désolé. Je n'écoute pas. On se met deux adversaires. J'écoute plutôt Sepultura, non t'es mec. Nightwish, voilà. Non, je connais pas trop le hard. Je connais pas trop. Eh, oh, ça marche pas là. Qu'est-ce qui marche pas? C'était aussi long que ça? Bah ouais. Oh, j'avais oublié. Pourtant, c'est le dernier jeu que j'ai joué sur ma 64 là. J'ai regardé avant de partir, il y avait Diddy Kong Racing dessus. Ah, mais c'est peut-être parce que comme tu jouais sur l'émulateur, ça allait plus vite. Non, c'est chez moi, tu jouais chez toi. Ah, alors chaud. Merci d'avoir parlé de Code Quantum. Ah, Guy Chapelier. Qui m'a dit non. Et je voulais le prendre pour jour de pluie parce que c'était la voix de Code Quantum et que c'était cohérent. Bah oui, logique. Le voyage dans le temps, c'était cohérent, tu vois. Et non, ce n'est pas mon délire. Mais après, il était peut-être vraiment occupé, hein. Ouais, mais écoute, je vais pas juger, hein. Ou il était juste très de droite, non, je rigole. c'est quoi le dernier album que t'as écouté? Je sais pas, en ce moment... Ah si, j'ai retéléchargé l'album de Benny Benassi. Parce que je me suis retapé un délire électro, là. Benny Benassi... J'aimais trop. J'ai pas entendu ce nom-là depuis des années. J'aimais trop, c'était trop bien. Donc j'ai retéléchargé cet album et je me suis réécouté ça, là, dernièrement, à la campagne, en plus. Moi, je me suis fait un petit kiff il y a pas très 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 longtemps. J'ai acheté dans une brocante des compiles Energy Music Awards 2002, 2003 et 2004. Génial. Et tu retrouves des trucs, tu avais oublié leur existence. C'est génial. Genre, c'était quoi? C'était 113 au summum. Bernard Soufflet, c'est qui? C'est celui qui fait Al? Dans Code Quantum? C'est Al, non? Peut-être. Mâcher le bouchon A pour aller plus vite. Mr. Fox, tu connais pas Padawam? Si, je connais Padawam. C'est quoi Padawam? C'est du jeu vidéo. Ok. Pas fan. Il double Hal, oui, ok. Non, ah oui, j'avais oublié qu'il doublait Hal. Ah, putain, mais qu'est-ce qu'il a fait déjà le doubleur de Hal, Bernard Soufflet? Alors là. Allez-y. Bernard Soufflet, ça me dit rien. Vous avez Wikipédia? Moi, je vois sa voix, hein. C'est la voix d'Hal, j'adore sa voix. J'ai entendu plein de fois, mais je me rappelle plus ce qu'il a fait. Et en animé, t'as vu quoi récemment? Putain, à part Dragon Ball Broly, j'ai rien vu, hein. Ah ouais, t'as vu Broly? Ouais. J'ai vu Broly, j'ai adoré. Sauf la fin qui est un petit peu bâclée et rapide. Mais sinon, l'idée était bien. Le début est parfait en fait. Je trouve le début parfait. Oulala, les aéroglisseurs de merde. Ah non, les aéroglisseurs, c'est le cancer. Oh, c'est horrible. Ah, mais attends, je sais pourquoi ça allait plus vite. Parce que tu joues en solo, non? Ah oui, en solo. Ouais, quand on joue à deux, la console elle a plus de mal du coup. Ah oui, d'accord, ok. Un peu moins vite. J'ai pas vu Broly en VO, en VF encore. Ah! J'attends le DVD. Moi je l'ai vu en VF au Cinoche.
J'attends le DVD. On va pas se mentir, ça fait plaisir de voir des baisers de Cinoche. Pour moi c'était le principal intérêt de Broly, tu vois. C'est, oui. En soi le film est pas ouf, j'ai vu les films tu sais, de l'époque, Fusion, ouais. L'attaque Fusion ou Sang Gohan. Dans Fusion, il n'est pas doublé par... Oui, c'est vrai. Par... comment il s'appelle Marc Lesser. Marc Lesser, mais par son frère. Oui, c'est vrai. C'est son frère qui le double. Et c'est très bien. Non, mais par contre... Je viens de finir les années 90, t'as réussi à me faire verser une petite larme, John. T'as que ça à foutre d'aller regarder ma vidéo de 19 minutes pendant qu'on fait un live. Mais putain, aussi, voilà, merci, on joue à Diddy Kong, c'est méga chiant. Ouais, c'est sûr, Diddy Kong. Je vais faire le 2 là, ça y est, j'ai trouvé mon sponsor, donc j'ai déjà écrit. Et ce sera sur les dessins animés le 2. Que sur les dessins animés? Ouais, parce que le premier c'était les séries, et là ce sera que les dessins animés. Tu sais que si à un moment ça parle doublage, il faut m'inviter. Hein. Évidemment. Tu me laisses pas, évidemment. Me laisses pas sur le bord de l'arbre. Évidemment, d'ailleurs j'ai fait la première sans t'inviter sur le doublage. Le deuxième, je suis obligé de t'inviter. Mais elle est vachement bien ta vidéo sur le doublage, je te l'ai déjà dit à l'époque, je te le redis. Merci, hein. Elle est bien parce elle est nécessaire. Voilà, c'est ça, elle ouvre les... Moi comme elle ça, ouvre les vannes. Je l'ai fait pour plus qu'on me casse les couilles à me dire « Mais pourquoi nous l'avons en VF ?» C'est bon. Et je me suis tellement reconnu dans ton petit sketch en mode, tu sais, quand tu mets en pause le film, alors ça, tu vois, c'est fait au dans la petite... Mais je m'en fous. Mec, le nombre de potes qui combien qui de soirées j'ai fait ça, où tout le monde me casse les couilles. Mais c'est bon, t'as fini, on s'en bat les couilles en fait. C'est ça. Pourquoi tu nous casses les couilles avec ça? Mais c'est ça. À quand les retours des parodies du Bled? Bah justement, Robocop. Robocop. Voilà. Mais après j'aime pas trop faire les trucs du bled parce que c'est au bout d'un moment ça devient caricatural. Ouais. Donc j'essaye de changer un peu. Et à quand le retour de J'ai mal au rap? Non jamais ça, jamais. Mais tu sais que t'as rallumé la mèche en sortant un vieil épisode. Hein, ouais, je sais. Des gens sais. Ils ont dû se dire, j'ai fait exprès. Ça y est, c'est un test. Mais j'ai fait ça pour mettre du contenu un peu sur ma chaîne en fait. C'est vraiment l'épisode il est pas ouf. C'est juste pour mettre du contenu. C'est à dire que c'est la première fois où on met des commentaires pas ouf et je suis pas triste. Parce que je me dis putain j'ai raison, ils ont raison. C'est comme les vidéos, parce qu'il y a des gens tu vois, comme ces fameux gens sur Twitter. Des fois ils te détestent mais tellement, et ils te font passer pour le mec le plus pourri du monde. C'est à dire que mais comment ils font les gens pour regarder ces vidéos et tout etc. C'est de la merde. Moi, tant que la barre YouTube de like est supérieure, mais largement, pas juste un peu, largement à la barre de dislike. Il t'en faut pas plus. Il m'en faut pas plus, c'est à dire que oui, bah, vous pouvez mettre tous les commentaires que vous voulez. J'ai gagné. C'est-à-dire que la majorité des gens aiment mon travail. Quand c'est le contraire, c'est déjà arrivé à des collègues, que la barre rouge bah, dépasse le... Là, tu te dis, oui, j'ai fait une erreur. Tu vois, j'ai fait une erreur, j'ai fait un truc pas bien. Ah bah, je me rappelle... moi, je regardais YouTube avant que ça devienne cool. Ouais. Je me rappelle de Cyprien, bah, de Norman aussi, on a fait. Ouais. Ils ont fait deux, trois bads. Cyprien notamment, non, Norman, Cyprien il l'a fait sur un clip avec Mister V. Et Norman c'était la vidéo sur la diarrhée. Ouais, il avait fait, mais une autre aussi, hein. Il avait fait deux, d'ailleurs même Norman avec Yvick, il avait fait une vidéo qui est pas passée. C'était sur les racailles, et c'était trop cliché et tout. Mais il me connaissait pas à cette époque, on se connaissait pas bien. Comme une merde de Cyprien, hein. C'était ça le clip, je me rappelle plus. Ouais, c'est vrai. Et sinon, t'as sorti un freestyle il y a pas très longtemps? Ouais, pour me faire plaisir, mec, putain. Tu sors pas d'album alors? Non, mais en fait, parce que j'étais. Tu sais quoi, ça s'est passé très simplement dans une banlieue populaire française, dont Combini fantasme tous les jours de leur vie et qui connaissent pas. Moi, j'habite encore dans mon quartier et c'est parti sur un délire où on écoutait du vieux son de Lyon. Donc Cassius Belli, qui est un rappeur lyonnais. Et on était en plein délire en se disant putain mais c'est vrai que ça tue et tout, j'aimerais bien retrouver Cassius Belli, enfin je le connais un peu hein, mais j'aimerais bien faire un truc avec lui. Et je l'ai appelé, je lui ai dit Cassius j'ai envie de faire un son. Il me fait bah go, il est venu chez moi à minuit pendant le ramadan, on est resté jusqu'à 3h du matin à écrire le son. On est allé l'enregistrer le lendemain, ça s'est fait très vite, j'ai fait le clip au quartier, dans les deux quartiers où j'ai grandi. Et j'ai enchaîné quoi, c'était vraiment un kiff de... Des fois les vidéos c'est aussi simple que ça. On écoute un truc avec des potes, on fait putain vas-y j'en mets. Et ça va aussi simple que ça, y'a pas de préméditation. Le truc c'est que comme, à mon avis hein, le truc c'est que comme t'es chez Webedia, les gens ont l'image d'un mec dont les vidéos sont produites 3 mois à l'avance. C'est ça, non des fois c'est vraiment... Et même les années 90 c'est un coup de tête hein, c'est... Putain, mais même le doublage, ça sent le doublage que ça a pas été... Ouais mais les années 90 par exemple c'est très simple, je fais des stories sur Instagram le soir. Avant de me coucher, des fois je suis sur une heure sur mon téléphone à faire des stories originales. Et j'avais fait une story en montrant les séries de mon enfance. Et là tout le monde a réagi, mais surréagi, j'ai fait ok, je fais une vidéo. Tout simplement. Bah oui, non, tout simplement. Pas se prendre la tête. Moi, la vidéo que j'ai fait sur le film doublé par Amazon, j'ai juste. Je sais pas si tu l'as vu celle-là. Ah putain, oui! Oh non, avec mais. Les voix de robots. Mais pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas.
Enfin, si je sais, j'ai appris après la sortie de ma vidéo. J'ai appris pourquoi. Quelle horreur! J'ai appris pourquoi et la raison est vraiment horrible. Vas-y, mais de toute façon, Amazon, ils s'en battent les couilles de ce qu'ils mettent. Ah, mais c'est au-delà de Amazon s'en battent les couilles en fait. Si tu veux, j'ai appris que. Tu sais, Amazon, ils achètent des films chez des distributeurs, ouais. Tu vois. Et j'ai appris qu'en fait, tout simplement, un film avec une VF se vendait plus cher. Ah. C'est-à-dire que tu vends ton film en VOST, tu vas le vendre X. Ah merde, c'est pour ça que des fois pas, la... J'ai vraiment pas la moindre idée du prix. Merde, que c'est pour ça que la VF n'est pas dispo des fois sur Amazon. C'est ça. Par exemple, Nounou d'Enfer, notre belle famille, le truc avec La VO est pas disponible. Elle est pas dispo, la VF est pas disponible. Ah, la VF alors, je sais pas. Non, la VF est pas disponible. Ah. Comment il s'appelle la série avec Al Bundy, putain. Mais du coup, c'est bizarre alors, parce que c'est l'inverse. Marié deux enfants, VF non disponible. D'accord. Ça, c'est peut-être juste des problèmes de droit, par contre. Ok, d'accord. Mais le fait est que, tu vois, si tu doubles ton film, par exemple, tu vois, tu vends ton film en VOST uniquement X. Ouais. Et si tu vends la VF. C'est X plus, je sais pas, 10 000 par exemple. Merde. Et ben si tu fais un doublage qui coûte 5 000, et ben tu t'y retrouves quoi. Oh merde, des bâtards. Et si tu fais un doublage qui coûte 500, non, mais là, tu t'y retrouves encore plus. Me dis pas qu'il y a quelqu'un qui a vraiment travaillé sur le doublage d'Amazon là que t'as mis là. Ah non, mais à mon avis, c'est vraiment c'est un traducteur commercial qui a mis le texte dans traduction automatique. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il a filé à Voxygen les voix automatiques. Ben, je sais pas. Comment la boîte de prod qui a produit le film autorise ça? Ben, en fait, la boîte de prod, elle s'en fout. La boîte de prod, si tu veux, c'est un film d'arrêt-essai argentin, tu vois. Ouais. Ils sont déjà super contents de trouver un distributeur français, tu vois. Donc, ils leur filent le film, ils disent voilà, faites-en ce que vous voulez. Nous, on a réussi à le vendre à l'étranger, tu vois. À mon avis, les producteurs du film, ils se disent plutôt putain, trop cool, notre film va être vu en France, tu vois. Oh là là, mais quelle horreur de faire ça. Et même les gens, ils ont pas forcément la main. Les sous-titres, ce qui paraît, c'est pas ouf. On se fait un GoldenEye? Ouais, on se fait un GoldenEye. C'est l'heure, hein. Eh ben écoute, go GoldenEye. GoldenEye. Hop. Hop là. GoldenEye. Est-ce que tu aimes le film GoldenEye? Oui, j'adore totalement. Moi, je trouve que vraiment, c'est une des rares bonnes adaptations de jeux vidéo en film, GoldenEye. J'adore, pareil. Tu vois, tu regardes le film, ouais. T'as vraiment l'impression de voir les décors du jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Au début, quand y a le barrage et tout, etc. C'est tout ça. Bien, ils ont vu le jeu vidéo, ils se sont dit, putain, ouais. En film, ça rendrait trop bien. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, trop bien. Ça. Et même la VF, mon doubleur préféré. Hein. Ah bah oui, non. Mais mon comédien préféré de doublage. Jacomi. Je sais pas si j'arriverai à l'avoir, putain. Ah bah, essaye. Ah, je vais essayer, mais je sais pas. Moi, je vais peut-être l'interviewer prochainement. Non. Je te tiens au courant. Oh putain, génial. Peut-être. Putain, mais tu sais que je vais reparler à Donald, mais je suis frustré de pas avoir assez. Attends, je me suis mis le truc sur la gueule. On se met en mode Golden Gun ou pas? Parce que allez, vas-y, ouais, je te parle de Golden Gun, allez. Ah merde, attends, j'ai mis en flag. Je suis frustré de l'émission de Donald de pas avoir assez d'anecdotes, tu vois. Mais c'était bien l'émission de Donald. Franchement, avec toi et Ganesh, franchement, c'était cool. Ah ouais, elle était cool. Mais parce qu'on a recentré sur le doublage, nous. Moi, parce qu'il a dit sur le ton de la blague, mais je pense qu'on va vraiment le faire un de ces quatre. Renew, le faire venir. Renew, il fait Mark Landers? Oui, dans la nouvelle, la ah nouvelle ouais série Olive et Tom, il va faire Mark Landers, ouais, j'ai vu ça. Ah, qui est pas encore sorti? Ouais. Ah, génial. Et toi, tu veux faire... De toute façon, la dernière fois, Donald, ouais, il m'a dit la prochaine fois, on l'invite. C'est ça. Franchement, si j'y vais, moi, je lui prépare un petit blind test où il va devoir reconnaître ses propres performances. Mec, vas-y. Je pense qu'il y a moyen c'est de rigoler. C'est génial. Il reconnaîtra pas, c'est sûr. Mais parce que nous on s'en rend pas compte, je vous jure. A l'inverse, Alexis Thomasian, il se souvient de chaque rôle qu'il a fait. Mais j'adore Alexis Thomasian, ça. Mais du coup, je me demandais. Tu sais que j'ai une anecdote. Ouais, vas-y, raconte. Il m'a doublé sur un casting. C'est vrai? Sur un film, je devais faire la deuxième étoile. Ouais. J'étais au casting, j'étais arrivé pas mal. Tu sais, des fois, il y a des étapes dans les castings. Ouais, ouais. Et merde, c'était un petit rôle cool, tu vois. Et je devais jouer ce rôle-là. Et ouais. Quand j'ai redécouvert le film, j'ai pas été pris. J'ai découvert le film et j'ai vu que c'était Alexis Thomasian. Et j'étais content. D'habitude, oui. Je suis un peu jaloux là, j'étais content. Je fais ok. Putain, trop beau là. Donc voilà. T'allais me dire quoi sur Alexis Thomasian? Ouais, non, simplement le début de ton freestyle, c'est la voix d'Alexis. Oui, c'est ça. C'est mais dans... ça vient d'où? Coach Carter. D'accord. Je me posais la question, je me suis dit, mais il l'a fait enregistrer spécialement non, pour l'occasion. Et puis je me suis dit, non, c'est un texte trop. Non, c'est Coach trop Carter. Précis quoi, ça doit venir d'un truc. Coach Carter, je sais plus quel personnage dit ça. Et je trouvais que cette phrase collait bien avec ce que j'allais raconter après. Mm-hmm. Putain, je me rappelle même plus comment changer d'arme. Oh là là, mais ce jeu, des heures. B changer d'arme. Des heures et des heures. Attends, entières. B. Non, A changer d'arme. Non. B chargé. Ah oui, voilà, A changer d'arme, B chargé. Mais putain, mais je me rappelais pas que c'était aussi dur à manipuler.
Pour nous, c'était fluide à l'époque, ça. Dune, à l'époque, pour nous, c'était fluide. Et pas que, c'était aussi très beau. Attends, juste regarde mon écran une seconde. Regarde cette vitre qui explose. Magnifique. C'est ça. Magnifique triangle. Non, mais ça, à l'époque, mais, tu rigoles, mais à l'époque, on trouvait ça formidable. Mais ouais, ouais, de ouf. Et surtout, le son de la vitre, on se disait, putain, mais j'ai jamais entendu une vitre faire ce son, quoi. C'était incroyable pour nous à l'époque. Regardez, il y a même pas d'autre joystick pour viser. Mais non, non, tu fais Z et puis tu vises, c'est tout. R et puis tu vises. Il y a même pas d'autre joystick, c'est génial. Alors avec C haut et C bas, tu peux baisser et monter le truc, mais ça va à une vitesse. Ouais, mais après on s'était habitué, je me rappelle que le C haut et C bas, je le gérais plutôt bien. Et C côté pour faire des pas de côté, hein. Oh, attention, important. Ce jeu mythique, les gens, vous savez pas. Le truc, c'est que toi, t'es en bas et moi, je suis en haut, là, donc on se croise pas du tout. Ouais, sauf que t'as pris le monde un peu chiant, celui-là. Ouais, ouais, non, mais c'est ma faute. T'aurais dû prendre Facility, c'est le meilleur niveau. Mais Facility, il est encore plus grand. Ah, mais c'est où me dirigez. Moi, je voulais mettre le niveau où il y a que le haut. Ah oui, c'est bien ça. Mais le truc, c'est que je me suis gouré. Des body armor en voiture, rien. Le meilleur Donald, c'est Sylvain Caruso. Il parle de Donald, le personnage de Donald. Ouais, ils font tous la même voix. Moi, tous les doubleurs, ils ont réussi à être cohérents sur Donald. C'est ça, ils ont trouvé le truc. C'est moi qui ai gagné. Ah ouais, t'as le Alien Gun, putain. J'arrive. Quand je squattais chez mon voisin pour jouer à GoldenEye, nous on faisait des soirées entières de GoldenEye. Putain, mais c'était tellement jusqu'à bien. 6h du matin. Le truc avec GoldenEye, qu'il n'y a pas dans les FPS que tu fais en ligne avec tes potes, tu vois, genre Overwatch, etc. C'est que tu regardes l'écran de l'adversaire, tu vois. Oui, c'est ça. Et t'es en mode, ah, alors, où est-ce que t'es caché? On se disait qu'à comment on appelle ça? T'as oublié un... Oh là là, ce jeu de jeunes de merde, là. Un Fortnite Un Fortnite GoldenEye, ça aurait été pas mal, quand même. Parce que Fortnite, c'est nul, quoi. Mais il y a un truc qui s'appelle GoldenEye Source sur PC. Ah ouais? Avec tous les niveaux de GoldenEye refaits en HD, etc. Et qui se joue en ligne, c'est basé sur un moteur Counter-Strike. Je note ça tout de suite et je vais totalement y jouer. J'ai jamais eu la foi d'y jouer. C'est quand tu le télécharges sur PC? Ouais, GoldenEye Source. Je crois que c'est gratuit en plus, donc. Comme c'est un mode, je crois que c'est gratuit. Ah, mais t'es remonté et puis d'un moment où je suis descendu. Allez, alors, mec, enfin trouvé. Ouais, toi, t'as le Golden Gun, donc va falloir être intelligent. Il va falloir être rapide surtout. Est-ce que t'es là? Non, t'es pas là. Oh, je m'approche. La blague, ce serait que je sois juste derrière. Ah! Putain, merde. Je vise n'importe où! J'en ai rien à foutre! J'ai joué, c'est sympa. Bah, je vais jouer à Golden Source à Paris, là. En rentrant, j'ai mon PC, moi. J'ai un Predator. Ah ouais, t'as le monstre. J'ai un Predator qu'on m'a offert. À l'époque où je travaillais avec Acer. Oh, putain. On m'a totalement offert. T'as bossé avec Acer ou chez Acer? Non, pas chez Acer. Avec Acer. Bah, j'ai fait une vidéo pour eux. J'ai eu du travail avant d'être YouTuber. Oui, mais ouais, mais moi c'était il y a 10 ans et c'était chez Orange. Donc, chez Orange. Toutes les boutiques à Lyon là, je les ai faites pratiquement. Eh, je serais pas derrière toi. Merde, enculé. Allez, je suis fair play, je te laisse. Ouais, mais t'as le Golden Gun à chaque fois. Bah oui, parce que maintenant que je l'ai. Ah oui, c'est... oui, t'attends que je te tue pas, ouais, merde. Mais il faut que tu me tues. Bah j'essaye de te trouver. Mais je suis juste derrière toi. Putain, le mec il me dit où il est sympa. Regarde, je suis là. Allez, tue-moi. Ah bah alors. Ah putain. Moi je joue à Minecraft. Bah on dirait à Minecraft un peu. Les graphismes font penser à du Minecraft. C'est les mêmes, hein. J'ai jamais joué à Minecraft. Ah c'est rigolo. Enfin c'est rigolo. Est-ce qu'on changerait pas moi, de niveau? J'aime plus le niveau de... ouais, on va faire ça, t'as raison. Et est-ce que tu mettrais pas des mines? J'adore les mines. C'est soit mine, soit Golden Gun. Ouais, mais vas-y, mettons des mines. On met les mines, ouais. Alors, c'est génial. On va mettre les mines. Les mines... C'est rigolo un petit temps, mais ça devient vite chiant. Les mines proximité ou les mines... Non, les que tu peux déclencher. Ah. Quel plaisir. Voilà. Là, on parle. Hop. C'est rigolo, mais c'est un petit temps, mais ça devient chiant. Moi, bon, en fait, ce qui me plaît dans Minecraft, c'est plus l'aspect construction, Lego. Okay. Que le vrai mode survie... les zombies, les machins, c'est le côté Lego qui est rigolo en vrai. Putain, y'a du merde, monde. Merde, j'ai remis le même niveau. Ah oui, putain, merde. Y'a du monde un peu, c'est cool. Ouais, ben 171, je vois. Ah ouais? Ah, c'est marqué en bas. Putain, j'avais pas vu depuis tout à l'heure. Ah ouais, mais on est beaucoup en vrai depuis tout à l'heure. Ah ouais, non, mais c'est cool. Ça fait plaisir, merci. C'est cool. Nous, on adore faire ça, et puis apparemment, vous restez quoi. De ouf. Et puis. Dites-nous s'il y a des sujets que vous voulez qu'on parle là avant de partir, je vais bientôt partir. Je fais un petit peu mon bâtard du coup, mais n'hésitez pas si vous voulez soutenir le Twitch à faire des dons.
Il y a le lien en dessous du stream Twitch. Et les dons servent à acheter les quelques jeux N64 qui me manquent. Là, j'ai pas eu le temps de mettre à jour. L'objectif, c'est plus Ratata que c'est Paperboy. Mais si vous donnez des sous, alors, l'argent Paperboy, servira putain, à acheter Boy. Des jeux N64. J'avais le jeu sur Game Boy, c'était trop bien Paperboy. Vous voulez qu'on parle de choses spéciaux avant de partir? Tu veux quel niveau? Là où il y a les chiottes. Parce qu'avec les mini-ti. Voilà, les mines dans les chiottes. Voilà, tu connais. Ah, voilà, les vrais bails. Les VF des séries, bah ça dépend quelle série. Du coup, c'est toi qui commences dans les chiottes comme par hasard. Ça dépend quelle série. Les VF de série, moi je suis pas très série, c'est le gros problème. Ah merde. C'est souvent on me dit parle de la VF de machin, de truc. Moi je suis en mode mais je regarde pas les séries, je suis pas série du tout. Alors moi ça dépend quelle VF. Je suis plus film moi. Il y a des VF que j'adore en série et des VF qui sont pétés comme d'habitude. Hein. Bah oui, hein. Ça dépend aussi beaucoup du budget. Tu vois, et... nous on est capable par rapport aux gens de la VO, nous on est capable d'admettre qu'il y a des VF qui sont pétés. Bien sûr. Et on le sait. Et les gars de quand tu vois, c'est le truc qui me fait toujours marrer, c'est quand tu leur dis, quand ils te disent ouais la VF c'est toujours nul à chier. Etc. Et Retour vers le futur, tu le regardes comment? Ouais, mais c'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil parce que c'est mon enfance déjà. Et puis à l'époque, ils savaient faire des bons doublages. Mais c'est fou, ta gueule à l'époque. Putain. Patrick Poivet était dans un film sur deux à un moment. Faut arrêter de déconner. Grave. Les gens, ils me disent aujourd'hui, c'est toujours les mêmes voix. Mais mec, vous écoutiez pas les films des années 80. Patrick Poivet et Bernard Tiffen faisaient un film sur deux. C'est horrible. Comment on fait pour ouvrir les portes déjà? B. Non mais attends, pourquoi ça marche pas? Ah oui, voilà, je suis con. Salut. Salut, ça va? Bah, ça j'ai va, pas d'armes, tu vas bien? Ouais, bon, t'as pas d'armes alors je me tire. On fera pas un homme à terre. Non mais putain, il faut que je réapprenne tout là-dessus. Là, t'as les mines là. Hop. Oui, pick up some men. Ok, j'adore. Mais après... Je faisais le bâtard sur ce jeu, putain. C'est un petit peu de la triche parce que moi j'y joue assez régulièrement là, N64. Ah ouais? Bah, je fais des lives assez régulièrement. Ah oui, bah oui. Et puis, moi j'y joue très rarement et pourtant j'ai tout, hein, j'ai les émulateurs et la console. Bah écoute, à la prochaine nuit je t'invite. Hein. Prochaine fois que t'es sur Lyon. Avec plaisir. Ah ouais, c'est bon, j'ai retrouvé le truc. Qu'est-ce que c'était moche et je trouvais ça magnifique. Et si t'es trop près de l'explosion, tu respires. Eh oui, tu vois. Putain, c'était moche, c'est parfait. C'est fun à 4, ouais. Nous on faisait ça sur des grands écrans, parce que mon pote il avait des grands écrans, c'était magnifique. Bah c'est pas assez grand comme écran, ce que j'ai. Si, c'est parfait. Non, mais c'est pour dire qu'il faut le faire sur grand écran. Et voilà, alors, je me suis tué tout seul. Je me suis explosion JPEG. Explosion.jpeg. Ah c'est génial. Et maintenant c'est qui a des mines? Et ben c'est moi. Allez, fais-toi plaisir. Je vais venir te casser la gueule. Alors, hop. Non, les séries en VF, qu'est-ce que j'aime bien? Bah toutes, pratiquement, moi, franchement, il n'y a pas de série que je regarde pas. Si, il y a des séries... Ah, Breaking Bad, j'avais fait les deux, VF, VO. Et Entourage, vous connaissez Entourage ou pas? Si vous connaissez pas Entourage, moi, j'ai... Entourage, je crois que je l'ai vu 3 fois, la série. Ouais. 2 fois en VO, 1 fois en VF. Et les deux sont parfaites. Entourage, c'est pas une série française? Non, Entourage, c'est une série... Ah, il y a les deux. Il y a une série française qui s'appelle Entourage avec Audrey Fleurot. Ah, je connais pas. Mais moi, je te parle de celle avec Vince Chase. Magnifique, c'est une série incroyable. Okay, trop, trop bien. Tu l'as jamais vue? Non. Ouais, t'es pas très série, du coup, ouais. Bah, moi, je suis pas très série. Même des séries super Engrenage, tu confonds avec Engrenage, voilà. Ah oui, c'est ça, je confonds avec Engrenage. Oui, pardon. C'est bon, t'es mine de merde, là? Bah, je sais pas. Allez. Est-ce que c'est bon, mine de merde? Attention. C'est très bien, vas-y, c'est bon. Alors maintenant, t'as plus rien, mon pote. Que tu crois? Et je sais. Hop. Eh ben. Danse. Ah. Oh, non, mais. Je me rappelle pas que c'était aussi chaud pour viser. Salut Hugo, salut les gens, salut Hugo, salut John, salut, tu viens à la fin, toi. Hein. Salut Amourou, ouais. J'ai aimé le film Entourage, j'ai adoré le film Entourage, c'était une parfaite conclusion. Je trouve que si les séries font toute une conclusion comme ça, eh ben on est vraiment bien. Oula, il est où? Oh, Facility, quel niveau! Personne n'a jamais fait une map aussi bien que celle-là. Le jeu est GoldenEye, Docteur Pokémon. Merci de venir à la fin. Les gens qui viennent à la fin, là. Bah, ils peuvent pas savoir. C'est vrai. Ils se connectent, ils sont là. Non, parce que ce que tu sais peut-être pas, c'est que des fois, je fais des nuits N64. Ah ouais. Et les nuits N64, littéralement, ça peut durer... le dernier stream qu'on a fait, il a duré 9 heures. Merde. Tu le fais avec qui? Tout seul. Pour le coup, en gros, si tu veux, j'ai des. Parce que des jeux N64, comme je t'ai dit, j'ai quasiment le full set. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup de jeux auxquels j'ai jamais joué de ma vie. Et tu découvres. Et du coup, je les découvre en live. Mais tu peux pas parler tout le temps. C'est pour ça que je fais pas de live. Si, t'arrives à parler tout le temps. Tu découvres le jeu, tu réponds aux questions.
Non, c'est rigolo. C'est pour ça que je vous estime grave les livers. Après, je suis pas un aussi bon liveur que. Oui, par exemple, tu vois, quand je suis pris dans un jeu, tu vois, les jeux N64, c'est bien parce que tu les découvres et puis voilà. Mais quand je suis pris dans un jeu, genre quand je fais du Tetris 99, c'est même pas la peine de me parler. Ouais, les gens ils disent 99. Que tu pètes un câble sur Tetris. Ah ouais, bah ouais, non, mais Tetris 99. Voilà pourquoi il faut jouer à 4, parce qu'à 2, tu passes ton temps à te chercher. C'est vrai. Les nus 64, all. Voilà, les gens adorent ça. Bah, écoute, je vais essayer d'en mater une un jour si je tombe dessus. Bah, t'es pas obligé de les regarder en entier parce qu'encore une fois, ils font 9h. Mais quand les replays sont chapitrés, comme ça tu peux voir directement les jeux qui t'intéressent. Moi, j'ai mon prof de boxe qui m'envoie des messages. Ouais, j'ai pas envie qu'il me casse la gueule. Mais alors, avant de partir, j'aimerais bien qu'on se fasse des discussions. Eh bah, écoute, je peux remettre en mode. Vas-y, hein. En mode plein écran, hein. Zoop. Hop. Et voilà, tout simplement. Comme Franck. Voilà, écoute, j'ai passé un très bon moment de 64, même si j'ai pas joué de ouf, hein, parce que malheureusement, je suis pas habitué. J'arrive pas à jouer et à vous parler en même temps. Mais c'est et à bien. Se parler, à discuter. C'est... Après, le truc aussi, c'est que moi, je connais la N64 par cœur. Donc, oui, t'as joué beaucoup là en ce moment, c'est vrai. J'y joue beaucoup, et puis voilà, et puis. Ils sont mieux les graphismes là. Ils sont mieux les graphismes. Vous avez vu comment on ressort bien. Regardez, les polygones sont c'est incroyable. On a un petit peu trop de lumière là-dessus. Ouais, j'avoue. Mais écoute, tu reviens quand tu veux en vrai. Hein, mais j'adore, tu sais que je vais revenir, tu sais que j'adore ça. C'est toujours un grand plaisir. J'adore ça. Puis même si tu veux te mater les films en 3D ou la classe américaine. Quand je reviens à Lyon, mec, je te dis, de toute façon. Je suis plus sur Twitter, mais on a contact sur Facebook. Ouais, sur Facebook ou même t'as mon numéro. Ouais, j'ai le numéro et tout. Et ça me fait un plaisir de venir ici à chaque fois en live, hein, c'est trop bien. Tu fais beaucoup de boxe, en fait, depuis que j'ai 13 ans. Il y a eu des périodes où j'ai arrêté un peu parce que j'ai travaillé beaucoup. Et en fait, là en ce moment, je suis revenu. Enfin, j'ai arrêté pendant un mois et demi parce que j'avais le fantôme plus Ramadan. Mais j'en fais 3 fois par semaine. Là, je rentre à Paris, j'en fais 3 fois par semaine. Excuse-moi, c'est une question vraiment très con. Ouais. T'as pas le droit de faire de la boxe quand c'est le Ramadan ? Si, t'as le droit, mais c'est juste que t'as pas la force. Ah mec. D'accord, ok. Franchement, j'ai pas mangé de la journée à 19h, oui, je peux pas aller boxer, mec. C'est vrai. Impossible. Et j'en fais depuis très longtemps, ouais. Vous formez un bon duo. Merci, Jasminou. Eh ben écoute. Ça fait plaisir, mais parce qu'on est passionnés de la même chose. Mais oui, c'est ça. C'est facile, les gens. Mais on parle de doublage, on peut en parler pendant des plombs. Carrément. Mais après, il y a des trucs que j'oublie en doublage. À chaque fois, je me dis putain, il faut que j'en parle à Hugo dès que je le vois. J'oublie plein de trucs. Attends, il y a quoi que j'ai vu dernièrement ? Peut-être que ça peut me rappeler des doublages. Attends. Bon, les doublages qu'on connaît tous, qu'on adore. Non, c'est juste. Voilà, j'étais choqué par la qualité du doublage de Game of Thrones. Et en plus, oui. il doit faire ça vite, je crois. Alors en fait, moi, j'ai discuté un petit peu avec la personne en question. Ouais. C'est vrai qu'ils bossent vite, mais ils ont les épisodes quand même pas mal en avance. D'accord. C'est-à-dire que HBO, ils savent que c'est une série attendue. Internationale. Et du coup. Ils sont pas cons, tu vois, ils préparent leurs épisodes à l'avance pour que la team la récupère à l'avance, etc. Voilà quoi. Parce qu'on est d'accord que la VF, des fois, est disponible le soir même. Là, pour la saison 8, c'était le cas. La saison 8, l'épisode était dispo en VF et en VO en même temps. Comment ils font sur Orange Ciné-Série. Donc, comment ils font ça? Ils les ont en avance. Ouais, non, de ouf, ils les ont en avance, etc. C'est pareil avec les Disney, c'est pareil, mais ça, t'as dû en discuter avec Donald. Ouais, non, même pas. Sur les Disney, ils reçoivent les films en work in progress, avec les images de synthèse pas tout à fait finies. Et comment t'expliques ce truc que je voulais poser la question, t'en as peut-être pas parlé sur un truc, et ils font ça de plus en plus, et je trouve ça génial, c'est dans les Disney, par exemple, de réécrire en français les... Dans le dessin animé. Bah ça, c'est tout simplement le studio d'origine qui le fait, c'est-à-dire que, encore une fois, Disney, ils savent que leurs films vont être distribués à l'international, alors au moment où ils préparent le truc, mais tu sais que c'est pas récent, tu regardes le premier Toy Story, 95. Ouais. 95. La boîte de Buzz l'éclair, le texte est écrit en français. Tu sais, le moment où Woody, il regarde la boîte de Buzz l'éclair et il se rend compte qu'il récite son texte. Tu regarderas le DVD, si t'as le DVD. Le texte est en français. Moi, je croyais que c'était nouveau et je trouvais ça génial. Mais alors, c'est cool qu'il le fasse de plus en plus. Ouais. Et il loupe de moins en moins des occasions de le faire. Tu vois, par exemple...
la série Sherlock. Ouais. Il y a beaucoup d'inserts dans la série Sherlock, je sais pas si tu l'as vu. Non, ce qui paraît c'est bien. C'est très très bien Sherlock. Ouais. Enfin, moi j'aime beaucoup Sherlock. C'est classé dans IMDB, très bien classé. Mais ça dit les chaussettes trouées de Mr. Fox, ce sont pas trouées mes chaussettes, il y a un Wolverine dessus mais c'est pas trouées. Mais il a deux chaussettes différentes aussi, c'est pour ça. Oui, ah oui, c'est pour ça, oui. Ah si, elle est trouée. Ouais, elle est trouée. Ils l'ont elle est trouée autant pour moi, effectivement. Ils les font dans les films aussi alors. Mais ouais, et dans Sherlock en fait, il y a beaucoup d'inserts où en fait Sherlock, tu sais, il échange des SMS avec son réseau de clodo, etc., pour avoir des infos à droite à gauche. Ouais. Et en fait, les SMS sont écrits en français dans la diffusion France 4. Ça, c'est trop bien. Donc c'est très. J'adore quand ils font ça. Gros boulot. Gilles Morvan qui fait quoi? Gilles Morvan, bah, c'est la voix de Sherlock. Ok. Tchernobyl, est ouf. Ouais. Il faut que je regarde Tchernobyl, ouais. C'est dans ma liste. Ah, Tchernobyl, j'ai pas vu. Là, j'ai commencé une série sur des noirs américains sur Netflix, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Et en VF, je l'ai commencé. Elle est très bien, la VF. Comment c'est sur un noir américain. C'est ouais, pas. Sur un procès avec des gamins qui ont soi-disant violé une fille dans un parc, à Central Park. Ah, non, ça me dit rien. Ça a l'air ouf. Je croyais que tu parlais de. Ah putain, bon, j'ai plus le nom, mais. D'ailleurs, les doubleurs noirs américains maintenant, on a plus Bédondo, qui faisait tout le monde à l'époque, mais il y a des nouveaux qui sont très très bien. Mm-hmm. Je sais plus leur nom, j'en ai croisé un. Il y a Anoumont, moi j'adore Anoumont, Jean-Baptiste Anoumont. C'est la voix de Jamie Foxx dans Django Unchained. Ah, je me rappelle plus quelle voix c'est. Ah, elle est bon, il est bon. Ah, mais j'en ai croisé un quand je suis allé enregistrer José Luccioni dans le studio Atomic Brothers, je crois. Et non, c'est pas Dominique, n'importe quoi. La dernière fois que je suis passé dans un studio de doublage, j'étais en train de téléphoner, j'ai croisé Thierry Desroses. Oh putain. Je te jure, j'ai laissé tomber le téléphone. J'étais dans un cadre pro, tu vois. J'étais en mode, on m'avait invité pour observer, etc. machin. Et j'ai laissé tomber mon téléphone, j'ai laissé tomber le professionnalisme. J'étais en mode, vous êtes Thierry Desroses, j'adore ce que vous faites. Non, mais mec, moi ça m'est arrivé avec quand je suis allé doubler Dragon Ball. Il y avait tout le monde qui est passé dans les studios, mais comme par hasard quoi. Tout le monde est passé, et là je vois sortir Claire Guyot. Je crois qu'ils ont pas trop. Ça commence à le faire, mais ils commencent à avoir l'habitude un peu, mais ils ont pas trop l'habitude qu'on les arrête trop. De ouf. Donc je vois Claire Guyot passer, pour elle, elle venait de finir son doublage et tout. Ouais. Et je la regarde, je fais. Comme un enfant, tu vois, je fais. Ouais. Bonjour. Elle me fait bonjour. Avec sa voix, et donc moi direct, ouais, c'est style. Après, je fais, j'adore ce que vous faites. Elle me fait, oh merci, vous êtes trop gentil, super et tout. Et ils sont encore un peu surpris. Et pareil, derrière, je vois Patrick Préjean. Et direct, j'ai tilté. Ah, Patrick Préjean. J'ai tilté direct, j'ai fait, oh, c'est lui, génial. Et un jour, j'étais dans un resto. Et je sais pas si j'ai raison ou pas. À Montmartre, j'étais dans un resto tranquille. Et je vois Bruno Choël. Mais je suis pas sûr que c'était lui. Ouais. Et j'ai pas osé aller le voir parce que oui. Je me suis dit, je vais le faire chier déjà. Et de deux, quand t'es pas sûr, voilà. Bruno Choël, j'adore. Qui? Non, pas du tout, moi c'est Didier. Je t'emmerde, mec. Non, ce que tu dis, ça m'a fait exactement la même chose. Un jour où j'étais à dubbing, je croise Sybille Thureau, qui est pas super connue, c'est la voix de Nala dans Le Roi Lion. Moi je l'ai adoré dans GTO, tu vois. Ouais. Et GTO, dans le DVD, il y a un tout petit module doublage, on la voit à 5 minutes, tu vois. Et en fait, je l'ai croisé dans ce studio, et je dis, vous êtes Sybille Thureau? Elle me dit, oui. Surprise. Je suis un gros fan de votre travail, etc. machin. Et elle me dit, merci, c'est super gentil, mais simplement, comment vous connaissez comment vous savez à quoi je ressemble? Moi, j'étais en mode, il y avait un petit module dans le DVD GTO. Ah, d'accord, c'est pour ça, oui, j'avais oublié. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Ils sont grave surpris, hein, vraiment, à chaque fois, ils sont surpris. Hein, ouais, c'est ça. Il y en a, Brigitte, Éric Legrand. Voilà, de toute façon, ceux que vous voyez le plus dans les modules combinés ou les trucs comme ça, eux, ils Donald. Ont l'habitude. Donald, ouais. Maintenant, ça y est, les gens le situent. Donald et Dorothée aussi. Ouais, Dorothée de ouf. Il y a des stars du doublage. T'as vu le film Problemos de Eric Judor? Génial, on voit ses nichons. c'est pas vrai, c'est pas pour ça, elle est géniale. Non, mais c'est vrai que ça te choque quand t'as grandi avec sa voix et que d'un seul coup, quoi? Non, mais c'est une très bonne comédienne. Très c'est ce que je dis sur les comédiens de doublage. Moi, j'ai adoré Off Prime, c'est une série qui est pas très connue. Je connais pas. Off Prime, c'est un truc qui est passé sur M6 avec Virginie Efira. Ouais. Dans le rôle principal, et en gros, c'est on en avait parlé ça, mais ils c'est un peu dans le plus. Même délire que Platane, ouais. C'est-à-dire que Virginie Efira joue son propre rôle, ouais. D'animatrice M6, et lui arrive des trucs, etc. Et Dorothée Pousseau fait sa belle-sœur, okay. Et elle a un rôle principal, on va dire, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut les exploiter. Très bien, moi, je veux faire jouer Damien Boisseau dans une série. Je le sais que je veux le faire jouer parce que je suis sûr que c'est un bon comédien. Christophe Lemoine, je veux le faire jouer, je suis sûr que c'est un bon comédien. Il faut les faire jouer, il faut les faire jouer. C'est ce qu'ils font M6,
c'est ce qu'ils font France 4. TF1 beaucoup, TF1, Ange Gardien, ils ont tous joué dedans. Ils les font tous, mais non, mais tu sais, scène de ménage, les trucs de famille là, ils les mettent tous, il y en a plein. Bah, même, tu sais, la bande-annonce du nouveau clavier là, je te l'ai passé et t'as dit. Il y a Vincent Rampion. Non, mais même pas Vincent Rampion, Benoît Dupac. Ah oui, Benoît Dupac. En ouverture. Oui, c'est ça. Genre, premier plan, tu vois Benoît Dupac, et alors tu passes tes vacances. Ouais. Et t'es en mode. Oh ouais, si, quoi c'est vrai. Si, c'est vrai, absolument vrai. Mais attends, il y a quoi aussi faut les faire jouer, moi. Les courts-métrages. Faut les faire jouer. Après, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je le dis, je le pense. Il y a des comédiens qui sont pas bons pour le live. Il ouais, y a des comédiens qui sont très très à l'aise avec leur voix. Faut voir. Mais. En live, ça va pas, ça passe pas, il manque de naturel, etc. Un peu comme les comédiens qui faisaient du muet et qui, au moment de passer au parlant, tu vois, ils se sont retrouvés perdus. Mais y a là, moi, je suis persuadé que Jacomi, par exemple, je suis persuadé que c'est un bon comédien. Ah, mais oui, ça c'est sûr. Mais il y en a, ils jouent tellement bien dans leur truc que c'est sûr. Moi, de toute façon, je vais faire une série bientôt, j'en parle pas tout de suite. Et je vais les faire jouer, c'est sûr et certain. Vous me connaissez de toute façon, hein, je les mets tout le temps partout. Je vais les faire jouer. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire sur la VF là. Oh merde, sur les comédiens. J'oublie tout le temps, c'est ça le problème. Ce sera l'occasion d'un prochain live. Voilà, mais j'ai trop de trucs, j'ai trop d'infos. Est-ce que Franck me menace? Mais moi, c'est pareil. Non, il s'en bat les couilles. Non, il s'en bat les couilles. On va manger où? Aucune réponse. Tout le monde s'en bat les couilles, donc on peut parler, allez-y. Hein. Bah écoutez, voilà. Je sais pas, je te rejoins où tu veux. Bellecour. Oh bah oui, Bellecour, voilà. Où? Enfin, faut pas dire où j'habite, mais... Pas loin de Bellecour. On n'est pas loin. Bellecour où je vais manger, attention les Lyonnais, il y en a très peu sur 131. Je vais peut-être manger à Guillotière aussi. Guillotière, je connais pas du tout. Bah c'est les Arabes, hein. c'est pas loin de chez toi, mec. Putain, mais oh la merde, pardon. Ta vidéo, non, c'est vrai qu'on n'est pas très très loin de Guillotière. Oh la merde, c'est pas... Non, mais c'est pas... J'ai rien dit, ça va. Non, mais t'es caté. Ça serait bien que Pascal Légitimus refasse du doublage. Très bien. Oui, c'est super, regarde ce qu'il m'a envoyé, Pascal. Regarde ce qu'il m'a envoyé en SMS. Pascal m'envoie des SMS, ok? Je suis dans le showbiz, ok? J'ai le droit d'avoir des... Et regarde ce qu'il m'a envoyé. Je peux le dire, je m'en fous. Il est où, Pascal? Pascal Légitimus. Pam! J'ai le numéro de Pascal Légitimus en face de moi. Il est là. Voilà, regardez, attention. Il m'envoie... Putain! Ah, je peux pas le balancer, mais alors ça, c'est beaucoup trop bien. On a le droit! Alors, faut faire super gaffe niveau doublage, hein. Ah ouais? Non mais je pense que ça va. Il revient au doublage, il m'envoie un SMS pour me dire qu'il redouble. Voilà, bon bref, on le voit pas. Mais ouais, il m'a envoyé un SMS pour... Et pas un acteur de merde. Et pas un acteur de merde. Un acteur de merde. Mais attends, je vais te dire un truc. Tu sais, c'est après le live qu'on a fait la dernière fois. Regarde ce que j'ai acheté. Mais oui, Anti sur scène, ils sont tous dedans. Il faut que je le vois. Ils sont tous dedans, il y a tout le monde dedans. Mais oui, il y a tout le monde. Oui, donc, John Rashid, tu peux donner des easter eggs du fantôme. Et le masque que tu portes, c'est le masque de ton père dans l'histoire ou pas? Oui! Vous avez tout compris! En fait, quand je prends le masque au début dans la cave, vous regardez dans le sac en flou, on voit une autre partie du masque. Ensuite, easter egg sur l'affiche, il y a écrit le ruban rouge, c'est Dragon Ball Z. Il y a écrit jour de pluie sur le truc, voilà. Il y en a plein. Le perroquet, Brigitte. Brigitte Le Cordier qui fait le perroquet. Mon père, quand il fait le braquage, en fait, c'était un masque entier, ils ont fait le braquage avec un masque entier. Le fantôme a gardé une partie du masque et mon père avait l'autre partie du masque qui est dans la cave. Voilà, plein de trucs comme ça qu'on s'est amusé à mettre. Et si vous n'avez pas vu le fantôme, allez le voir. Ah ouais, non, voyez le fantôme, c'est vachement bien. Tu sais que ça marche pas, ça marche pas. Attention, hein, 500 000 vues pour un court-métrage de 19 minutes qui n'a aucun... qui est pas du tout dans la ligne éditoriale de ta chaîne. Grave et tout, voilà. C'est génial. Hein. Mais par contre, j'en suis extrêmement fier et ça m'a ouvert des portes géniales. J'en dis pas plus tout de suite, ouais. J'étais très content. C'est qui le mec barbu avec des lunettes? C'est là, c'est Benzaï. Enchanté. L'acteur que t'as pris pour le fantôme, c'est un putain d'acteur, grave. Je crois qu'il a fait du doublage aussi, Youssef. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Bah, Belcourt ou Guillotière. Donc le mec il me rejoint pas? Le mec, c'est mon prof de boxe, attention comment on lui parle. Il est très 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 mon prof très de très boxe. Fort. Il est très fort, c'était mon éducateur en foyer. Moi je peux parler de ma BD avant de partir. Ah bah fais donc. C'est l'instant promo, tu sais, on est voilà, comme, grave, comme la télé, recette grave. Pompette, tu vois, à la grave. Fin, c'est en mode, bon alors ta promo, vas-y. Et bah en octobre, je sors une bande dessinée sur ma jeunesse en foyer. Ouais. Voilà. Et je suis très content. Chez qui? Chez Michel Lafon. Et il y en aura de partout dans les Fnac. Je vais faire le tour des Fnac de France, normalement, pour signer tout ça. Ouais, mais tu vas pas pouvoir passer à Lyon, c'est trop. Ah putain, bien sûr que si. Mais à Lyon, je vais faire deux trucs. Je vais faire trois même. Je vais le faire à la Fnac. À Mommy BD. Non, dans la librairie. Non, entre 4 même.
dans la librairie de mon enfance. Ouais. Elle sera dans la BD, vous verrez, c'est une librairie qui était dans ma rue. Je vais le faire chez Comic Zone. Je sais plus comment il s'appelle le truc qui est pas loin d'ici aussi. Arrête de donner des... Ouais, ça, ouais, je suis en train de donner des... le truc qui est pas loin de chez toi, tu sais, vers Vanvelin. Pas loin de Vanvelin. Entre Vanvelin et Villeurbanne. C'est ça. Près du Feu Rouge. C'est exactement ça. C'est après du Feu Rouge, ouais, ouais, ouais. Et non, ouais, je vais faire plein de lieux à Lyon pour la dédicacer, vous verrez, ça va être génial. Est-ce que t'as kiffé les dessins? Alors, les dessins, c'est Lenny Malky, il s'appelle, allez voir, tapez Lenny Malky sur Google. Et le scénar, c'est moi entièrement. Parce que c'est ma vie, en fait, c'est pas dur. Hein. C'était vraiment pas dur, on a mis toute ma vie. Je ferai de la promo TV. Que tu fais. Ouais, je ferai de la promo TV. Ouais, normalement, il y a de la promo TV pour la BD. Et on espère que ça va marcher. Hein. C'est très social. Hein. C'est très social. Et très drôle. Alors, si c'est très social, va pas le vendre chez Hanouna. Hein. Non. Mais après, Hanouna, c'est le seul qui m'invite des fois. Hein. C'est les gens se rendent pas compte. Hein. Mais après, moi, j'ai du mal avec ses chroniqueurs. Donc, juste pour ça, je refuse. Mais tu fais aussi. C'est quoi Putain, à chaque fois que je vois tes stories Insta, je te vois sur la même émission sur TF1, non Ah oui, VTEP, oui. Vendredi tout est permis. Voilà, c'est ça. Oui, je fais ça de temps en temps, c'est vrai. J'adore faire ça parce que déjà, je m'éclate. Ah, tes visions. Je m'éclate. Je m'ouvre un autre. Il y a des vieilles qui m'arrêtent aujourd'hui dans la rue. Il y a des vieilles. Hey, j'adore Vendredi tout est permis. Je m'éclate. Je suis payé. Arthur est super sympa. Et ça me fait de la promo pour le fantôme. Des gens qui n'ont jamais vu. Je te dis, il y a des vieilles. Il me fait, j'ai vu ce qu'on a dit d'aller voir sur YouTube chez Arthur. C'est vraiment bien. T'apprends aux vieux ce qu'est YouTube. Mais même pas que. Bah, je dis les vieilles, là j'ai fait une mamie. Mais oui. Genre 40, 50 ans, des gens de 50 ans qui regardent pas forcément mon travail. Et bah la télé ça ouvre à ça. Voilà. Faut être courageux pour t'exposer ainsi sur ta BD. Alors j'aime pas parler de ma vie privée. Mais le foyer, je sais que ça aide des gamins en foyer. Donc juste pour ça, j'en parle. Quand je sais que ça aide, j'en parle. si c'est pour aider mon ego, j'en parle pas. Mon ego, il est déjà assez bien nourri. Donc il y a des gens qui racontent leur vie pour nourrir leur ego. Non, et puis le foyer, c'est en tout cas de ce que j'ai vu dans ta vidéo. C'est vrai que t'as bien grossi quand même. Merci. Mais de ce que j'ai vu dans ta vidéo où tu parles de foyer, c'est quand même les gens ne connaissent blancs, pas quoi. Ouais, non mais même pas tout le monde tous ceux qui n'ont pas grandi en foyer, voilà, les blancs. On a une image des foyers, ouais, qui est très loin de celle que tu décris. Exactement, quoi. Et c'est pour ça que c'est important. T'as bien grossi, ouais, parce que vous avez vu, j'ai un gloître. Je suis vraiment gros, putain. Putain, une série à mater en VF, c'est Brooklyn Nine-Nine. Ah, j'ai toujours pas vu. Alors déjà Brooklyn, toi tu m'as conseillé un truc génial depuis la dernière fois que je suis venu ici. Ouais. C'est la meilleure VF du monde. J'ai jamais. Je crois savoir de quoi tu vas parler. Asher. Ah yes, Arthur. Mec, alors il me l'a conseillé quand je suis venu. C'est incroyable, on est d'accord. C'est incroyable. Mais j'ai jamais vu une VF aussi incroyable. Eh ben, écoute, il y a tout le monde. T'es la troisième personne que j'arrive à convaincre de mater Arthur en VF. J'arrive pas à tout regarder parce que c'est long, c'est oui, chiant. Oui, c'est long, c'est long. Mais la VF, chaque nouveau personnage, tu dis la VF de Bojack Horseman, elle est géniale. Ouais. Comment ça s'appelle? Baladur, ouais, là je fais un peu Baladur, c'est vrai. Rick et Morty. Rick et Morty, alors Rick et j'adore Morty. J'adore la VF. Rick et Morty, moi ça va être un futur sujet. Parce qu'en fait, les gens me demandent beaucoup, c'est quand tu fais une c'est vidéo belge, sur hein. Rick et Morty. Ouais, c'est belge. Ouais. Et le truc, c'est qu'on me demande Rick et Morty pas pour savoir ce que je pense de Rick et Morty. Ouais. Mais en fait, les gens qui me demandent mon avis, ils ont déjà le leur. Okay. Et ils veulent juste savoir si je suis d'accord avec eux ou pas. Ouais. Et si je dis la VF de Rick et Morty est bien. T'as tout le monde qui va être en mode putain, mais la VF de Rick et Morty c'est une honte. Non, moi j'adore. Je veux dire, jamais. Enfin, je veux dire, le créateur quand même il joue, il enregistre bourré. Alors forcément, c'est un truc que tu peux jamais reproduire en VO, en VF. Ah, ouais, putain, ouais, c'est ça. C'est un ouf. Mais je vais te dire un truc, je le dis à chaque fois, je le dis à chaque live. Mais moi, tu vois, il y a un truc, ça s'appelle être comédien. Et si t'es obligé de vraiment te bourrer la gueule pour jouer un perso bourré, c'est que t'es un mauvais comédien. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ce que je pense. Mais la VF, moi je regarde qu'en VF. Voilà. J'ai jamais regardé en VO de ma vie Rick et Morty. Et je trouve ça génial. Et en plus, c'est belge. Mais ouais, non mais attends, des VF belges, il y en a de plus en plus, c'est ça. Des excellentes. Hein. C'est ça, c'est que des fois c'est bien quand même. Eric Legrand sur Ray, Gillette, sur quoi? Oui, sur Archer, c'est Eric Legrand qui fait Gillette. Ah oui, mais Archer, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, putain. C'est incroyable. Mais comment ça se fait que le mec, il connaisse autant de monde? Alors. Qui dirige ça? Je te le dirai hors truc. Ouais. Mais ouais, effectivement, il incarne l'adresse. Et tout le monde l'aime. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Mais il y a Patrick Poivet sur un perso secondaire de saison 2. Mais il y a tout le monde. C'est fou. Là, je suis tombé sur qui dernièrement? Un blond. Curtil. Oui, t'as Curtil qui fait Barry. Mais c'est incroyable. Et à un moment, ils vont dans l'espace. L'astronaute, c'est Jean-Philippe Puy-Martin. Putain, c'est incroyable. Jennifer Aniston. Puy-Martin aussi, il est bon comédien. Live, je veux dire.
Ah mais les tueur, depuis Martin, c'est un tueur. Dans l'ordre et la morale. L'ordre et la morale de Kassovitz, il est incroyable. Non, c'est, lui c'est un bête de ça. Et il y a aussi l'autre qui joue dans tous les films de. J'adore. Qui joue dans tous les films de Dupontel. Ah, Nicolas Marié. Nicolas Marié, génial. Ouais, très, très il bon, a fait des vidéos YouTube, c'est vrai aussi. Hervé. Oui, bah il joue dans tous les trucs du Palmacho aussi. Ouais, c'est ça. C'est Hervé Kovic qui dirige Archer. Non, c'est pas Hervé Kovic qui dirige Archer. Sinon, il serait pas content. Sinon, il serait pas content. Après, Hervé Kovic, il a fait quelques bonnes VF. J'ai fait toute une émission sur Roméo et Juliette. Voilà quoi. C'est ça, à chaque fois, il essaye quand même de défendre un peu. Bah oui, parce que c'est. Comment dire, c'est. J'aime pas bâcher inutilement. Voilà, Hervé Kovic, je déteste ce qu'il fait aujourd'hui. Mais il a fait des bons trucs à une époque. Et attends. La vidéo sur Roméo plus Juliette, voilà, je te raconte. Oh là là, ta vidéo sur Roméo et Juliette. Tu vois, des fois, dans nos carrières de youtubeur, on fait des golds. Il y a des trucs qui sortent du temps, qui sortent de l'espace, qui est... Franchement, c'est... Mec, arrête, je te le dis tout de suite, c'est trop dur à reproduire. Moi, j'ai réussi à le faire 2-3 fois sur Jour de pluie, ou sur Cyrano, que j'adore, tu vois, par exemple. Il y a des... Mais toi, ta vidéo sur Roméo et Juliette, c'est du génie ultime. Si vous l'avez pas vu. Je pense que tout le monde l'a vu, hein, s'ils te suivent. Bah oui. C'est une vidéo sur Roméo et Juliette, mais le travail tout en vert. C'est un de mes parlons VF les moins vus. Comme d'hab, Internet est ingrat. Vous êtes des enculés. Je le sais. Fantôme, j'adore ce truc, ça fait 500 000 vues. Ma meuf La Caïra qui a écrit avec la moitié de mon cul et qui m'a pris 20 minutes à écrire, 7 millions de vues sur ma chaîne. Internet est ingrat. C'est la règle. Tu vois ma vidéo sur le doublage français d'Astérix, le doublage anglais d'Astérix. C'est bien ça aussi, ouais. Elle a marché vachement mieux que mes autres vidéos, ouais. Et je comprends pas pourquoi en fait. Astérix, ça attire aussi. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui a attiré dans le truc. Moi je cherche plus de logique. Je dis pas que Roméo plus Juliette c'est le truc attirant. Mais et tout, c'est le meilleur truc. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait un petit truc, tu vois, genre les gens ils se parlent entre eux en mode ouais. Il a tout fait en Alexandrin, etc. Et Astérix ça a marché, je sais pas pourquoi. Mais bon, tant mieux. Mec, Internet est ingrat, je te le dis. Je dirais pas ingrat parce que ça m'a quand même demandé du boulot. Regarde. Moi, plus je passe du temps sur une vidéo ou un projet, moins ça marche. Sachez-le. À chaque fois que je fais le truc avec le cul, c'est-à-dire que ma vidéo sur les années 90, j'ai pas fait avec le cul, mais c'est simple à faire. C'est-à-dire que je prends juste ma mémoire et j'écris juste selon ma mémoire. Je fais pas un an de travail ni rien du tout. Et bah, ça, 1 million de vues en un jour. N'importe quoi. Mais ça, tu vois, c'est le problème de beaucoup de youtubeurs, et on en parlait tout à l'heure, ouais. C'est le problème d'Antoine Daniel. Parce qu'Antoine Daniel, pendant des années, il s'est fait connaître avec ses reviews de vidéos. C'est ça. Et c'est simple à faire, etc. Il a fait des parties fiction de plus en plus longues. Les gens disaient, on s'en fout de la fiction, on passe à la partie chronique. Et le jour où il a fait Clyde Vanilla, qui était un taf de malade, il a fait venir des comédiens, il y a un travail de mixage, de montage, etc. C'est ouf, il y a 2 heures de fiction, de pure fiction, c'est de l'audio, mais ça ne demande pas moins de boulot pour autant. 2 heures de fiction audio, etc., et voilà. Ça a bidé. Et bah, tu m'étonnes qu'il soit dégoûté et qu'il ne veuille plus aller sur Twitter, quoi. Non mais c'est tout le temps comme ça. Une fois, j'aimerais avoir le courage de Kemar, mon ami Kemar, qui un jour il a fait quoi. Ah, il a envoyé Kemar, sa chaîne, il a tout envoyé. Oui, il s'en fout. Non mais après Kemar il est spécial, faut le connaître. Mais un jour il a publié, je me rappelle c'était il y a 4-5 ans, il a publié une vidéo. Alors c'est un plan large, il a vraiment mis ça sur sa chaîne, ouais. J'aimerais trop avoir les couilles de faire ça. Il a mis un plan large, il y a une table de cuisine au bout. Le plan large il est seul, il rentre dans le plan. Il va vers la table de cuisine, il prend une banane, il la prend, il la met vers sa bite, il fait comme ça, il tape sur la table, il pose la banane, il sort du champ, fin de vidéo. Les couilles qu'il faut pour avoir fait ça. Est-ce que t'as vu ma vidéo sur Smash Bros? Non. Ah, alors attends, parce que là, faut que je t'explique. Ouais. Tu sais, la vidéo sur le doublage anglais d'Astérix, ça a été publié le 1er avril. Ouais. Et du coup, j'ai dit, la vidéo du 1er avril, elle peut sortir n'importe quand. Ouais. Et en fait, la vidéo sur Smash Bros, c'est la vraie vidéo du 1er avril. Et en gros, pendant 2 minutes, j'imite le commentateur français, la voix française de Smash Bros, ce qui est complètement débile. Et après, je fais des doigts d'honneur pendant 20 minutes. Tu vois, j'adore, moi, j'aurais pas les couilles de faire ça. Mais ça m'a beaucoup amusé. Mais voilà, tu vois, les gens sont en mode Mario. Mais voilà, parce Mario que il est super. Attends, on peut faire ça, on a 2 minutes. Non mais je me rappelle du doubleur Mario. Il est très Mario, agressif. C'est Mario. Le mec il a envie de te tuer, quoi. Il est très agressif. Mario. Non mais c'est ça. Le mec veut te manger, quoi. Il y a un prof de boxe qui va m'appeler en direct. Ça va chier des bulles. Mario. Ah, attendez. Je me rappelle de ce truc, ça me parle. Alors on s'écoute Mario. 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 Oh non. Et Luigi.
Mais il est tellement déter. Luigi. Oh non, c'est horrible. Et Pikachu. Mais voilà, il est vénère, il est déter le mec. Luigi. Rondoudou. Et Fox, tu vois. Les petites syllabes. Fox. Fox. Link. Link. Mario, c'est le plus mythique. Hein. Mario, c'est le plus mythique. Pourquoi cette intonation? Et Donkey Kong, il l'appelle pas Donkey Kong, il l'appelle Donkey Kong. Quoi? Donkey Kong. Il est con. C'est, oh, c'est comme ça. Prof de boxe, attention. Oui, Franck. Bah écoute, vers Guillotière, c'est bien. Ouais, place du Pont, ouais. Mais il y a des petits restos super cool. Ouais, pour 45 que tu connais minutes, pas. D'ici. Il y a des trucs super cool, ouais. Il y a des petits restos très familiales qui sont cool. Hein. Après, si tu veux manger, si tu veux manger des bouchons, on peut aller manger une quenelle de brochet, mais. Non, non. Ah ouais, ça va te faire chier, mais si tu trouves, c'est cool. Hein. Parce qu'il y a vraiment des trucs typiques, genre cuisine maison, comme si ma grand-mère le faisait à manger. Bah, là où tu trouves de la place dans le 7ème, hein. Mario. Mario. Bon, bah on va terminer le merci, live là-dessus. Merci, on va terminer. Toi. Il nous voit encore, ça y est. Ouais, il nous voit à nouveau, c'est bon. Il nous voit, il nous entend. Attends, t'as ton antivirus qui nous empêche ah de lire. Ah, c'est scandaleux. Il a un antivirus gratuit. qui vient sonner chez les youtubeurs, je comprends qu'ils se méfient. Moi, ah, ça m'est arrivé deux fois. C'est vrai. Pas trois, pas quatre. J'ai été très agressif. J'ai vraiment placardé le gamin contre le mur. Putain, il devait avoir 17 ans, un truc comme ça. Il est venu, il a sonné, il est parti en courant. Il a ressonné, il est parti en courant. Il a ressonné une troisième fois. Et là, j'ai ouvert la porte, mais comme un ouf. Je l'ai attrapé, je l'ai mis contre le mur. Je lui ai dit, tu reviens, la tête de ma mère, je vous crève, toi, tous tes potes, machin et tout, etc. Et je pense qu'il a fait passer le message. Plus personne, une autre fois aussi. Mais le mec, il était gentil, il savait pas quoi dire. Donc je l'ai engueulé, mais en faisant le papa un peu. Ouais. En faisant, on vient pas chez les gens. Et puis j'ai jamais arrivé. Après j'habite dans un quartier. Il y a quand même une barrière déjà qui fait que tu rentres pas comme ça. Donc mais après ça m'arrivait en coloc avec Norman souvent. Et pareil j'étais très agressif parce que je trouve que c'est un truc à pas dépasser. T'as fait une coloc avec Norman? Ouais j'étais en coloc avec Norman pendant 4 ans. D'accord. Pendant 4 ans ouais j'étais en coloc avec Norman, mon frérot. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu les hipsters, les machins comme ça, c'est parce qu'on écrivait tout ensemble. Ah oui, c'est vrai. Donc on a fait une coloc. Je suis retombé il y a pas très longtemps sur, parce que j'ai le DVD, ouais. Sur le Zapping Amazing. Et ouais, putain, j'étais dedans, ouais, c'est vrai. Ah putain, ça j'y étais à Lyon quand ils m'ont invité. Mais tu sais, c'était à l'époque où je marchais pas autant qu'eux. Hein. Oui, et oui, qui m'a invité, sûr. Ça m'avait touché, j'avais fait putain, c'est grâce à Hugo d'ailleurs. Et voilà, mais non, les gens qui sonnent chez les youtubeurs, c'est complètement malade, faut les calmer. J'adore le concept, c'est excellent. Ça partait des vines que j'ai fait avec lui à la base. On avait fait des vines en coloc. À l'époque où Vine existait encore, putain. Ça, c'était génial, mec. On était créatifs. Mais je redeviens créatif sur Instagram depuis que j'ai quitté Twitter. Suivez-le sur Instagram. Et merci à tous, à bientôt. Je reviens vite faire des lives chez Hugo, j'adore ça. Bah écoute, avec grand plaisir, t'es toujours le bienvenu. Salut tout le monde, bon app. Écoutez, pour ceux qui n'ont pas mangé. Rentrez bien, des bisous à tous et bon dodo. Pour ceux qui vont se coucher, mais il est 21h23, donc ça m'étonnerait. Ils vont regarder le. Ah oui, ils vont regarder le 3. Le 3, c'est parti. Ben, bon E3 à tous, et puis plein de bisous. Mais c'est le 3 maintenant déjà ? Bah ouais, écoute.